Bonjour à toutes et tous, j'espère que vous allez bien. Il faut que je baisse mon son, moi, avant de faire mon direct. Si c'est le bon son, d'ailleurs. Attends, moi. Ah oui, c'est pas la bonne télécommande. Voilà. Là, normalement, on devrait peu entendre l'écho. Oh là 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 là. Excusez-moi, c'est pas comme si c'était un dimanche matin. Je prends mon petit déj en même temps, je fais mon vilain. Je vous laisse arriver. Eh oui, vous l'aurez deviné. Les produits laitiers sont nos amis pour la vie. C'est ça en plus. Ah, when did you? When did you? When did you? Oh. Ça, c'est marrant. Le temps de mon réveil, que je fasse toutes les manips du matin là pendant environ 1 heure, j'ai gagné 1 degré chez moi de température, rien qu'en m'agitant, hein. C'est pas ma chaudière, je vois mon thermostat sous pif là. Ah, c'est chiant! J'ai l'étiquette qui me gratte à l'arrière de ma coiffe sanglier là. Ouais, c'est bien, ça me tiendra chaud. Ah, elle est pas mal la vie. Bien peinard, je suis chez moi. Oh mon Dieu. C'est-à-dire que je me fasse un flow. Pas que je m'étrangle non plus. Oui, un petit nœud, mais pas besoin d'un flow. Eh bien, ça tient chaud le coup. Mais il faut pas que j'oublie moi tout à l'heure de me lancer un tambour de linge. Que je me fasse une lessive. Bon, je vais me lancer dans la suite de l'aventure, truc de bavardage. Merde, c'est pas le bon plan, vous voyez ma tronche, c'est pas le but du jeu. Le but du jeu, c'est celui-là. Qu'est-ce que je veux dire? Oui, petite nouveauté. J'ai embelli mes plans, mes scènes tout à l'heure. Je l'ai fait avant de lancer le direct. Il y a le titre là, vous voyez, 64 Techno 4 dans mes compos. C'est bien maintenant ou plus tard, là, quand je jouerai des musiques, vous pourrez avoir la référence de l'artiste et de l'œuvre. Et ça va être cool. Allez. Retrouver la mission. Alors, il y a 34 aliens. On est déjà au quatrième sous-sol? Non, ça va vite. Je croyais qu'on était au précédent, moi. Il y a déjà un vilain. C'était le vilain du matin. Là, on voyait son bras qui dépassait.
pourrais se faire peur. Oui, je vais sauvegarder là. Ah, c'est ça que j'ai oublié de faire tout à l'heure. Bah, c'est pas dramatique, mais d'associer les touches du clavier à mes sabres. J'aurais pu mieux jouer quand même. Hop hop hop, j'ai de la visite. Je vais encore avoir de la visite. J'ai toujours de la visite. Tiens mince, je suis en train de voir dans mon montage de scène, j'ai fait une bêtise. Enfin, de montage de scène. Dans la disposition de mon écran secondaire que vous ne voyez pas. En fait, c'est terrible, mais je vois pas le détail de mon chat. Oh, c'est pas... Si, c'est quand même embêtant. Pour un diffuseur, c'est quand même embêtant. Attendez. Attendez. Tac. Tac. Voilà, le problème est résolu. Ouais, c'est mieux quand même. Je suis censé voir ce qui se passe sur ma propre chaîne. Oh oh. Ah merde. J'avais pas vu qu'il y avait une jonction entre les... Attends, c'est quoi ce bins? Oh, c'est fait long. Ouais, ils arrivent. Hop, ça c'est bénef. Parvenu à les agiter du bocal. Salopard! Il m'a bien eu en biais. Merde, j'ai pas pensé à reprendre de la vie, moi. Soyons fous. Ah oui, il y a de la vie là. Bon, ça va. Tu es là, le combat. Viva la, viva la, viva. Waouh! Oui, il y a possibilité d'avoir... J'ai pas pensé à tâter les murs. Extérieur, comme d'hab. C'est bien le fond de ma pensée. Munitions. On veut des munitions. Wow. Ah oui, ah ouf, comme il dit. Oh merde, j'y suis mouru. Nerf. C'est tout ce que j'ai à déclarer. Alors dans l'idéal, arriver à la sphère extraterrestre. Un million de points. Voilà. En général, c'est ce que je faisais quand j'étais plus jeune. Je faisais un million de points quand j'étais à l'approche du dernier niveau, en fait. Mais si j'avais un score inférieur à un million de points, que j'avais fini de bousiller la sphère, le portail, là... Pardon. Considérant que j'avais mal joué ma carrière, là, la succession des niveaux. Pardon, je bois mon truc.
Alors je joue mal parce que... Hop! Parce que j'interagis pas avec tous les terminaux. Enfin, tous les terminales. Pourquoi je fais un pluriel en haut? Je sais plus. Un terminal de terminal ou un terminal de terminaux? Je sais plus! Merde, je deviens fou! Je sais plus. Bon, bref. Je suis trop hardi en fait, je suis trop précipité dans mon style de jeu. Ça va pas. Mais je progresse. Exclamer cochonnerie. Je sais pas de quel film il a tiré l'extrait, le joueur de grenier, pour encore parler de lui. Mais j'ai envie de dire, s'il devait y avoir qu'une seule référence francophone sur internet et YouTube, ce serait lui. Pardon, c'est subjectif ce que je dis. Là, la séquence de film avec la folle qui se met à hurler « Alarme !» C'est exactement ça. Ah ouais, j'ai pas besoin de recharger mes munes, comme on dit chez les jeunes. La boutique que je suis n'a pas essayé d'appuyer sur les murs. Oui, d'ailleurs, attends, il doit y avoir un truc à gagner là. J'ai mal lu la carte. J'ai une grosse suspicion de passage secret là. Merde, c'est pas la bonne zone. Ah! Ça y est, c'est reparti. Je commence à me perdre dans le dédale. De toute façon, devient plusieurs. Non, je vais déjà vider le rez-de-chaussée de ses occupants là, extraterrestres.
ma propre horloge qui me fout les chocottes. Et vous avez vu, j'ai tiré instinctivement quand il y a eu la première note d'horloge. J'ai cru qu'il y avait un truc qui apparaissait devant moi. Non! Qu'est-ce que je vais aller? Putain, mais je l'ai. Oh là là! Ah là, j'ai presque envie de recharger la. La sauvegarde, tant je me suis fait avoir comme un bleu, j'ai morflé en. Intruder alert. C'est rare, généralement ils sont logiques dans l'application de texture, ça fait rambarde et en général tu peux pas les pousser. Et c'est là où. Surprise, je réalise un contre-exemple de ce que je viens de dire. On les voit. Oh bon bah. Je prends. Pardon? C'est quoi que j'ai entendu? Ne me dis pas que c'était l'autre crâne omnipotent là. Parfait. Non, déconne pas, y'a rien. Oh la vache. Non, mais vous abusez les gens. Ah. Oh! Cool, nouveau flingue. Bon ça. Il est stylé le flingue triangulaire. Je le surkiffais quand j'étais jeune. Aujourd'hui encore d'ailleurs. Quand j'étais ado, c'était trop bien. Ah! Oups. J'hallucine. Oh là. La salle des munitions. Oh ouais.
punaise. Bah, je croyais que j'avais pris un pack de munitions. Là, je suis encore en train de m'en mettre plein les fouilles. Ah, ça y est. Mais c'est génial, c'est-à-dire que c'est l'abondance. Ah oui, non, ça y est. J'étais en train de me dire, mais est-ce que j'ai bien farfouillé partout? La réponse est oui. La réponse est oui. Bon, là, si ça s'avère que c'est le côté que j'ai fait avec le pass blue. Mais c'est cool. C'est cool, waouh! Ouh, alors là par contre là j'ai pas fait je sauvegarde parce que ça va être la violence. Sérieux? J'ai toujours pas trouvé la carte. Attends voir. Attends. Je regarde s'il peut pas y avoir une salle secrète. Non. Oh merde. Ah bah, c'est par là que je suis arrivé. Par là que je suis arrivé, mais. Non, mais vous êtes sérieux, les gens? Ça m'étonne vraiment qu'il n'y ait rien là. Ah bah non, je suis con. Ça correspond au... Mais oui, il y a un truc un peu coudé. Si, 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 il y a un truc, mais. Non, il faut que je me fasse à l'idée que la carte est pas là. De toute façon, dans chaque niveau, à ma connaissance, c'est la règle. Dans chaque niveau, il doit y avoir un moment la carte intégrale du Schmilblick. Non, mais bon, tant pis, on va. Là, je vais amorcer le nettoyage pour de bon. Il reste 14 extraterrestres à zigouiller. Tiens, d'ailleurs, je passe un peu vite en besogne le secteur là. Il est pas impossible qu'il y ait un petit truc. Non, il n'y a pas. Planqué derrière l'ascenseur d'arrivée. Bon, bah, on se lance. Bon, j'avoue, là j'ai mal joué. Un flouta. C'est assez bien résumé. Ah, tiens, on va se refaire la vidéo d'intro. Et bah comme d'hab, toujours la même question, j'espère que tu vas bien ce dimanche matin. Secure the object for transport to base.
bol. J'avais même pas mis l'inscription sur le panneau. Écriture à 15 000 vols. C'est marrant le décor de fond là. Les murs. Ça a son importance. On le verra. C'est rigolo. De toute façon, je. Oh. T'es pas. Merde. Oh, ton état s'est aggravé. Merde. Oh. Et de sa humeur parce qu'il t'est arrivé encore des misères. Oh, ma pauvre. Là, je te plains, Olive. Bon, bah. Au moins, j'espère que. On va dire ma. Ah ouais! Hop là! Là, je pense que ça va être déjà mieux. Allez, on va mettre dans V. Ouais, non, ça doit être bien comme ça. D'accord, ok. Merci pour l'info. Tac. Oui, donc là, je pense que les sons sont plus équilibrés. Eh ben, bon, bah, j'espère que je vais réussir à te divertir. À essayer de te changer les idées avec ce que je fais. Je continue sur mon fameux jeu 3D. Oui, alors attends. J'ai un max de vie et de munitions. Et j'ai ma nouvelle arme que j'ai trouvée il n'y a pas longtemps. Je l'ai trouvée dans. Ouh, j'ai plus qu'à les cueillir. Laissez-moi vous cueillir. Yeah. Ouais. Je peux sauvegarder parce que là je l'ai bien géré. Il reste 10 extraterrestres. Non, je vais repasser par le passage de Fou Furieux. Ok, merci à toi Olive. Bah, j'avais bidouillé les sons parce que je m'étais rendu compte hier, j'ai survolé rapidement les différents jeux que j'avais fait hier là pendant 11 heures. Mon direct pour voir s'il n'y avait pas des trucs qui allaient pas. Ah, la carte! Génial, toute la carte m'est dévoilée. Et je m'étais rendu compte qu'on entendait même pas la musique du jeu en fait. Quand je vous ai fait la démo, j'ai dit c'est dommage. Je voulais streamer ce matin, mais je crois que je vais colmater à la place. Trop mal au sinus en plus. Oh merde. Ah, oh, ma pauvre Olive. Ouais, c'est la frustration dont j'avais déjà parlé. Le fait que t'as envie de partager un bon moment sur ta propre chaîne, et puis en fait, la santé t'en empêche. Ça, c'est rageant. Je compatis. Merde, Oum! Mais je me suis trompé de côté, mais quel abruti! Il reste 8 extraterrestres. Qui ne sont pas là. Je me suis fourvoyé dans un. En fait, une machin, on s'en fout complètement. Je suis dans un couloir qui est sans intérêt. Alors, non, personne. Oh mon dieu. J'adore la caméra au plafond, je l'adore. Elle est trop bien.
Ça fait vachement crédible, c'est cool. Je sauvegarde, parce que là je progresse de salle en salle. Ça serait couillon que je me fasse trucider par effet de surprise. Il reste 6 extraterrestres. Oh, on les voit là, sur la carte. Ah ouais, t'étais tellement claqué qu'il t'a fallu la journée complète pour faire un truc que tu fais habituellement en une heure. Dur. Wouh, j'ai le pass accès rouge. Oh. Pardon. Attends. Oh merde, j'ai pas ouvert le... Ah, j'ai pas poussé le mur, moi. De... Ah, mais Kenigo. Alors que j'ai trouvé le corridor, j'ai pas poussé la dalle, tant pis. Attention. Bam. Ils savaient que j'étais là. Ils sont là, les salopios, c'est la guerre! La guerre! Ouais, le fait que tu taffes demain. Oh la vache, il faudrait vraiment que ta nuit prochaine te soit hyper... Ça y est. Le secteur a été sécurisé, il n'y a plus d'ennemis. Te soit vraiment bénéfique, quoi. Tu parviennes vraiment à récupérer. On sauvegarde. C'est quoi ce délire? Voilà, c'est une réserve, what the fuck. Mais... Il peut y avoir des trucs. Il peut y avoir des choses intéressantes. Dans le cadre de mon dessin, je suis là. Là, il y a quoi? Oui, bah, il y a quoi se refaire une santé et tout et tout. Mais j'ai besoin de rien. Non, par contre, j'ai besoin d'une nouvelle combinaison. Je suis déjà à poil au niveau armure. À force de me prendre des... De m'en prendre plein la tronche. What? Le skate out... je sais pas quoi, shotgun. Attends, j'ai quoi comme flingue? Donc... Ah oui! C'est celui-là, j'avais oublié! J'avais oublié que j'avais un sacro-saint fusil à pépan! C'est une arme que je connaissais pas dans ma version disquette. Et c'est ça qui est bon. Diga donc. Mais sérieux, il n'y a pas de passage secret là. On voit dans le dessin de la carte, il y a du... y a trop de murs. Ça cache quelque chose. Ça cache une chambre de régénération et de munitions. Je dis oui. Ah bah c'est bien, je vais être au taquet pour la prochaine mission. Ah, le summum, ça aurait été une combinaison neuve, mais non, tant pis. Ce sera pour le prochain niveau. Attends, faut que je m'assieds bien. Oh, 100% partout, 10 000 points de bonus. Oh, le parfait exemple de ce qu'il fallait faire. Bonjour, Poupon. La formule est excellente. Bonne année vidéoludique et streaming... Geek, ouais. Moi aussi avant de démo. Merci, bonjour Poupon, j'espère que tu vas bien. Et alors moi, j'appuie sur 3 points pour présenter mes voeux, c'est-à-dire que bonheur, prospérité et santé. Sachant que souvent le dernier, la santé, conditionne les deux précédents. Ah, évidemment, je te souhaite le meilleur à toi et à ta famille, Poupon. Merci de venir faire un petit coucou ce dimanche matin. Et bah du coup oui, je crois que t'étais pas là hier, oui, pour ma... J'ai inauguré un jeu qui me tenait très à cœur, qui est Corridor 7, je sais pas si tu le connais, qui est un vieux FPS rétro des années 90 que j'adore. Je l'ai fait plusieurs fois, 2-3 fois quand j'étais ado, mais la version disquette. Et je découvre pour la première fois la version CD, qui est plus complète. Il y a plus de trucs, donc je me régale doublement. Quel abruti je fais? Bien sûr que j'ai pas le pass bleu, moi. J'essaye d'accéder aux portes...
Ma devise étant également Live long and prosper. I am Billing. Ok. Ah, sas de sécurité. C'est là où je vais. Hop, 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 hop. M'a foutu les jetons, celui-là, c'est un nouveau. Hop, 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 hop. Il a failli me descendre, le salopio. Il m'a eu. Merdoum. J'écris n'importe quoi dans le nom du score, on s'en moque. Alors, pour info, c'est la devise de Spock dans Star Trek. Ah ouais. Mais honnêtement, je crois que j'ai jamais vu un épisode entier de Star Trek. J'ai vu des extraits parce que c'est culte quand même, c'est ultra populaire. Mais tu me l'apprends. D'accord. Oh, merci pour l'info. Live long and prosper. Oui, avec le coup des doigts en V là, je sais plus comment il fait. Enfin bon, disons, moi je sais pas maîtriser le truc, mais. Aïe 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 aïe. Pardon. Je me sers mon petit déj en même temps. Je picore mon biscuit Belvita en même temps. Bref, plein de bonnes ondes positives pour cette nouvelle année. Ouais, sponsor parlu, ouais. C'est ça, c'est ça. Ah merde, c'était le précédent niveau. Tiens, du coup, comme je suis revenu dans le précédent niveau, niveau que je sais plus, j'avais inspecté la zone sécurité. Il se passe des trucs. Merci Poupon et bienvenue. Mais je me souvenais plus que t'avais pas encore suivi la chaîne. Il est vrai que je vous cache pas que je fais pas spécialement attention à ça, qui suit pas. Là-dessus, je fais pas des pointages comme certains. Non, je ne donnerai pas de nom. Non, l'essentiel, partage de bons moments, c'est tout ce qui compte. Allez, Zou, il faut que je pense à sauvegarder quand j'arrive à l'autre niveau. Surtout que j'ai les stats à fond, j'ai tout à 100%, c'est merveilleux ça. Nettoyage parfait du niveau. Tac, voilà, game 2 saved. J'ai pas eu ma grosse alerte avec le cœur encore, elle devrait arriver je crois. Pour la fidélité. Comment ça objectif des 50 atteints, tu crois? Bonjour SDR. Bonjour, bonjour. Oui, tu viens d'arriver en même temps en plus. Pareil, j'espère que tu vas bien ce dimanche matin. Comment ça j'étais pas follow? Twitch bug souvent là-dessus, je suis sûr que j'y étais déjà. Peut-être, écoute. Twitch. Alors, je vais refaire un point là-dessus. Twitch, depuis qu'il y a eu le piratage de la plateforme, vous savez que le code a été balancé, le code source sur 4chan là. C'était quoi? C'était à la fin de l'été dernier, je crois. Ou durant l'automne, je sais plus. Bref. Alors, je suis pas dans le secret, mais c'est ma théorie. C'est-à-dire que au niveau de la régie, de la technique de Twitch, ils ont dû les avoir là. Parce qu'en fait, ils se sont retrouvés à poil, puisque tout le monde avait accès au code. Tout le monde pouvait voir en clair comment avait été conçu Twitch au niveau des lignes de code et exploiter des failles de sécurité. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais il y a pas mal de trucs qui semblent avoir été désactivés dans Twitch depuis. Les hébergements automatisés, ça se fait plus. Il faut le faire manuellement maintenant. J'ai envie de dire comme à la vieille époque. Donc vous êtes obligé d'aller dans votre chat et dire slash host telle chaîne. C'est barbant. Qu'est-ce qui fonctionne plus comme avant? Je sais plus de tête, il y a d'autres trucs qui foirent. Alors le fait que tu me dises que le fait de suivre une chaîne, ça se route du jour au lendemain, ça m'étonne pas.
Là de tête, honnêtement, je sais plus, mais il y a d'autres trucs qu'on sautait. Oui, SDR aussi, hein, tu l'as constaté, ouais. Il y a des trucs qui ont été désactivés. Donc j'espère que ça va revenir. Quand je ne sais pas, je ne fais pas partie de l'équipe américaine de Twitch. Mais voilà, espérons que ça revienne assez vite. Parce que quand on est habitué au confort et à des automatismes, quand les sucres, tu fais la tronche. C'est voilà. Ah oui, ouais, tes hosts ne fonctionnent plus, ouais, c'est à cause de ça. Ils ont coupé le truc en disant merde, il y a une faille de sécurité qui est connue maintenant, faudrait pas qu'elle soit exploitée. Donc on désactive la fonction. Ça fait suer. Voilà. Alors espérons que 2022, on peut joindre ça dans nos voeux, qu'on se fait toutes et toutes. C'est que Twitch aille dans le bon sens. Qu'ils nous remettent les trucs de manière sécurisée cette fois-ci. Attendez, mais je démarre où sur la carte? Je peux peut-être tenter sur les côtés s'il n'y a pas des trucs. Non, il n'y a pas de mur à pousser au niveau de mon ascenseur de départ. Pardon. Remarque, cela arrive également sur YouTube, le décrochage de follow. Alors, ouais, moi alors. Merde, je tiens un coup, je me fais flipper tout seul. YouTube, je l'utilise depuis peu. J'ai ouvert mon compte, j'avais pas de compte jusqu'alors sous YouTube. Bah, en tant que sage de Nancy, pour déposer mes vidéos, là, que vous puissiez les retrouver quand vous le souhaitiez à la demande. En dehors de ça, je dois être à peine abonné tout fraîchement à la chaîne d'un ou deux copains et c'est tout. Donc, tu me l'apprends, hein, Poupon. Merci pour l'info, mais. Là, pour YouTube, je pourrais pas dire. Merde, quel con, je suis trompé de touche. Au lieu d'appuyer sur le bouton de la souris pour tirer, j'ai appuyé sur le bouton pour ouvrir une porte. Confusion. C'est le genre d'erreur qui peut me coûter très cher. Surtout dans les derniers niveaux. Oui! Oh oui, ça fait plaise! Oh, la carte complète d'entrée de jeu! Oh, le bonheur! Ah, alors là, le niveau devient subitement beaucoup plus facile. Oui, j'ai l'accès bleu. Pardon, j'en fais des vocalises, donc je suis content. Non, c'est des trucs vitrés, donc ça se pousse pas. Je regarde la carte à l'angle en même temps parce que j'essaye de dégoter des passages secrets. Donc en résumé, tu es un streamer du week-end uniquement ou bien ça t'arrive de streamer en semaine également? Alors ça peut m'arriver de diffuser en semaine. Ça va être le cas la semaine prochaine là qui arrive. Pourquoi? Parce que congé. Et hop là. Que dire, que dire, que dire? Par rapport à mes congés, mes vacances, quoi. Je serai amené éventuellement. Je le ferai très sûrement. Très probablement, pardon, ça veut pas dire, ça veut rien dire en français, très sûrement. faire mumuse, voilà, faire des directs quand je serai en vacances. Mais ouais, par rapport à mon rythme annuel, on va dire, ce que je fais dans une année, et par rapport au taf, mes obligations, je serai que le week-end. Je serai le samedi, dimanche. Et s'il m'arrive d'avoir un autre patron, un autre taf à l'avenir, et que je change de week-end, que je me retrouve par exemple avec du repos le dimanche lundi, bah ce sera le dimanche lundi. Si j'ai un week-end éclaté, j'espère que ça m'arrivera jamais. Si le week-end éclaté, je récupère mal. D'avoir juste le dimanche et le mercredi en repos, bah ce sera le dimanche et le mercredi, quoi. Vous voyez, comprenez la logique. Moi, par contre, je serais incapable de. Oh chic, Steam a fini de télécharger un petit jeu. Bref, si je suis pas capable de diffuser les soirs quand j'ai une journée de travail. Je peux pas cumuler les deux, je suis trop crevé. En même temps, j'ai pas mal de trucs à faire, hein, je vous cache pas. Oui, merci. Oui. Oh, le repos me fait un bien fou parce que. Ah, vous avez vu, c'est les premiers extraterrestres polymorphes. Ils prennent la forme des objets dans le décor. On l'a vu là, il s'est pris pour un arbuste. Il y a plein de surprises comme ça avec les ennemis. Bleh.
Oui, mon début de repos là avec Noël. Oh là, il y a un énorme sac caché, on le voit là dans le dessin de la carte. Il y a trop de grilles là. Je recule parce que j'ai peur de me faire surprendre par les extraterrestres. J'ai dormi 11 heures de sommeil. La première nuit, j'étais tellement claqué mort que. Putain, je suis pour sachet, je suis pour sachet. Oh mon Dieu, dans mon dos! Ah! C'est la guerre! C'est la guerre! Au général! Non, j'ai pas. Ouh! Quand il y a un ennemi derrière une porte rouge, c'est que c'est un mini-boss et il y a un gros bonus derrière. En plus, c'est niveau 5, donc normalement, il y a un niveau secret à trouver, je crois. Ouh, il va falloir que je prenne le temps de bien farfouiller ce niveau-là. Attendez, je sauvegarde, je suis un abruti, moi. Je progresse bien et j'oublie de sauvegarder. Qui c'est qui a pêché un esturgeon noir d'Amérique? Ah, SDR, cool! Je crois que c'est la première fois qu'il sort celui-là. L'esturgeon noir des têtes de nœud, là. Les polymorphes. Non, pas que je sache. Quoique la nature est surprenante. Bah, j'irais le plus proche du polymorphe, enfin du polymorphisme dans la nature, c'est le caméléon. Le fait qu'il puisse changer de couleur, c'est génial. C'est un truc de dingue. Ouais, ça, c'était pas ma guerre. Alors, Poupon, ta remarque des copies de Wolfenstein 3D, j'adore. Tous les jeux rétro FPS qui sont basés ou qui sont des dérivés de Wolfenstein 3D. C'est pourquoi j'en ai acheté tout plein et que je vais passer l'année à en faire. Alors je vais varier les plaisirs, hein. Je vais vroom vroom, je ne sais pas quoi. Je vais varier les plaisirs. Moi, quand je vois une belle fille, je deviens polymorphe. Si tu tapes dans le chat, je crois. Attends, je vais essayer moi-même de faire la commande. Un truc du genre rétro, enfin FPS rétro. Tu vas avoir la liste de ce que je prépare, de ce que je vais diffuser. Voilà. Tu vois? Ça, c'est plein de jeux FPS rétro qui sont des variantes de dérivés de Wolfenstein 3D, Poupon. Et je vais les faire. Ça me tient à cœur de les faire sur ma chaîne. Donc ça, dans les mois et années à venir, je sais pas combien de temps je vais mettre pour faire tout ça. Mais wali Alors, je vais d'abord nettoyer le niveau de ses ennemis avant d'apprécier les passages secrets. Attends, il se passe un truc. Tableau mystère, le cyberspectateur SDR 51100 propose spécifique à pas accent circonflexe. Mais attends, j'ai un ennemi qui me pourchasse. Mais tu as raison, j'ai pas remis l'image du tableau mystère pour ceux qui veulent jouer. La vache, c'était un des polymorphes là. Ouais, attends, voir que je fasse pause dans le jeu et que je remette le tableau mystère. Tu as parfaitement raison. J'y pense pas forcément. Tant pis si je me fais buter dans le jeu, de toute façon, je vais sauvegarder. Regardez. Hop! Essayez de deviner à quoi correspondent la composition d'images. Alors, je rappelle le principe pour ceux qui n'étaient pas là hier. Ah mince, le son du truc mûche est trop fort. Ah, merci Olive. Alors attends, je vais réduire le truc. Réduire le volume. Bref, là, tableau mystère numéro 51. Il faut que vous trouviez les jeux qui correspondent. Le 6 veut dire qu'il y a 6 jeux dans cette image. A été trouvé le Rayman M en haut à gauche. À ma grande surprise, personne n'a encore trouvé l'opus qui correspond à Sonic en haut. Vous avez bien reconnu que c'était Sonic hier. Et par contre, les 4 autres jeux en bas, vous n'avez pas trouvé du tout. Alors attendez, merci de la remarque Olive, je vais baisser le volume de ma commande de tableau mystère. Attends voir. Pouc. Il faut que je recharge mon interface Wisebot.
J'aille chercher la commande et je dise baisser le volume. Oui. Expression d'ancienne, c'est ça. Alors attendez. Tac 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 tac. Le temps que mon navigateur se charge. Wiseboot, si tu veux bien charger mon interface. Alors, que je baisse le volume de la commande. Configuration sonore. Le volume est à fond. Je vais le mettre à 50%. Ça devrait suffire, je pense. À la moitié. Moitié moins. J'espère que la voix sera pas trop forte non plus. Il faudrait que je regarde mon transmission normalement. Attendez voir. Oula, mon interface est pas contente, j'ai l'impression qu'il m'a craché le. Non, c'est ça. Configuration sonore, pareil, je vais mettre à 50%. Hop là. Ouais. Au pire, je remodifierai si ça va pas. Voilà, j'ai baissé de moitié le son du tableau mystère. Tac 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 tac. Ban 300 ans pour agression sonore. Ouais, je t'en prie, Olive. Non, mais c'est normal. Heureusement que vous êtes là pour faire des retours. Parce qu'il y a des trucs, je m'en rends pas forcément compte. Bon, apparemment ça vous inspire pas. Donc on va revenir au jeu. Pouk. Merde, c'est pas le bon plan. C'est celui-là. Voilà. Tac, tac, tac. Hop là. Touk. Ah, allô, allô. La suite. Hop, 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 je me fais serrer là, ils sont deux. Au secours. Voilà. C'était le moment panique. Le moment où je gère très mal la situation. Pour moi, c'est le son le plus chiant à gérer depuis le début de ma carrière. Il me prend le poupon. Oh, je me souvenais pas de cette texture. C'est peut-être propre à la version CD, je m'en souviens pas du tout. Hop, allez, je fais le pain de santé avec les petites valisettes de premier secours. Pardon. Ah! Excusez-moi. Tout va bien. Madame Marquise. Tout va très bien, tout va très bien. Et je sais pas là, il faut que l'on vous dise. Ouais, honneur à vôtre, les souhaits. Merci, c'est gentil. J'ai envie de dire, grâce à vous, les miens de souhaits sont déjà exaucés. On s'amuse comme des petits fous. Alors. Ah oui, j'ai pas trouvé le corridor ici. Il faut que je trouve le corridor qui court tout le long du sous-sol. Sur le côté extérieur extrême de la carte. Il reste 20 ennemis. Oh la vache. Il est l'heure de tout défourailler. Non, je vais pas prendre la valisette. Ça vaut pas le coup pour 25 points restaurés là. Il m'en manque que 8. Je vais pas flinguer là. Ah non, j'ai pas la carte d'accès rouge. Merde. Il me la faudrait.
Provoque. It's a provocation. Non, je passe dans le couloir, ils m'ont pas vu. Ça veut dire qu'il y a des portes. Oh non! Non! Non, c'est dans l'accès rouge! J'ai pas encore l'accès rouge. Oh, mazette. Qui c'est qui m'a tiré dessus? Ah non! Ah si! Oh merde! Ouh la merde! Vite, j'ai l'accès rouge. J'ai gagné. Alors là, stratégiquement, je sais pas si vous avez compris ce que je viens de faire, pourquoi je me suis précipité à mort dans la salle rouge. C'est-à-dire que j'avais pas la carte d'accès rouge. J'ai attendu que l'ennemi l'ouvre pour me vautrer dedans. Et évidemment, les concepteurs des cartes sont pas idiots. Ils ont mis un terminal qui vous permet d'accéder à... Enfin, d'avoir la... les accès à la couleur correspondant à la porte dans laquelle vous êtes vautré. Parce que sinon, si elle se referme, vous seriez prisonnier, il n'y aurait plus de jeu. Voilà, de l'intérêt stratégique de se vautrer comme un sagouin fou furieux dans le bazar. Alors, j'étais en train de me dire qu'il y a sûrement... Comme je suis à l'angle de la carte... Merde, je me prends encore des dégâts. Pourquoi? Parce que lunettes spéciales... Vous voyez, il y avait des lasers là en infrarouge. Vision normale, vision ultraviolet et vision infrarouge. J'aurais pas dû passer par là. Chaque fois que je passe par le laser, je me prends des dégâts. Ce jeu est extraordinaire, il est génial. Vous comprendrez pourquoi je surkiffais quand j'étais ado. Eh ouais. Parce que en fait, les extraterrestres, ils ont des propriétés spéciales. Ils font des trucs dans les ultraviolets, ils font des trucs dans l'infrarouge. Il y a des sacrés trucs. Bon, je pense pas que les salles, maintenant, il y avait des trucs particuliers, là. Non, non, le jeu est excellent. Et plus on va descendre dans les sous-sols, plus on va avoir de surprises et des choses pas normales qui vont se produire. Oui, c'est bien, je repasse dans le laser comme un bel abruti. Parce que je suis en quête de mon corridor là. Qui apparemment n'est pas par là. J'ai pas vu un. Non, j'ai pas un bloc qui a coulissé. Oui. Ouais. Et en fait, Doom serait pas sorti en même temps. Le jeu aurait eu beaucoup plus de popularité. Mais manque de bol, Doom au même moment sortait. Donc, bah voilà. On connaît l'histoire du jeu vidéo. C'est cruel, mais mon pauvre Corridor 7 que je chéris tant était déjà dépassé quand il est sorti. Mon Corridor. Oui. Excellent. Excellent, excellent. Ah, il reste encore 5 extraterrestres. Joup là, provoque. Non, ils m'ont pas vu. Ils m'ont pas vu. Et là, ils m'ont entendu. Oh, oh, c'était un polymorphe. Oh, je l'ai vu. Je l'ai vu. Il en reste plus que deux. Bon, là, il en reste plus qu'un. Parce qu'il y a l'autre loustique dans la... Souvenez-vous, je vous avais dit qu'il y avait un joyeux luron dans le... Ah bah voilà, c'est là où il y avait l'accès rouge, normalement. Il y avait un joyeux luron dans le sas rouge isolé là. Ça sous-entend que c'est un mini-boss avec un gros cadeau derrière normalement. Si on arrive à trucider le... Et ça va être le cas, mais le défi peut être relevé. Je suis à la moitié de ma vie, moi j'ai 53% de vie là. Merde, je repasse par les lasers comme un gros nigo. Bref. Hop là. J'avais pas découvert une chambre de restauration de santé là. Attendez. Attendez. Faut que je vous lise aussi. Ouais.
Le sage, quand tu disais qu'il y en a qui fait très attention à ces stats sur sa chaîne, tu parlais de qui? Tu vois pas du tout de qui je parle. Non mais, sans balancer non, il y en a vraiment qui sont accros à Twitch dans le sens au niveau des statistiques. Et, un peu comme dans un jeu vidéo, c'est la même logique, hein. C'est l'idée de scorer et tout. Et... Oh, il est beau! Oh, il est beau, il m'a foutu ma pâtée Lorraine. Merde, d'ailleurs, j'aurais dû sauvegarder avant d'ouvrir la porte. Qu'on va se retaper tout le chemin. Arf, une nouvelle fois. Ah merde, je suis en clavier américain. Arf. Aïe, aïe, aïe. Alors, dans la version CD, le bestiaire est aussi plus riche. Donc je vais découvrir des ennemis que je ne connais pas du tout. Jusqu'à maintenant, les ennemis, je les connaissais dans la version disquette. Mais je devrais avoir de sacrées surprises avec des ennemis que je ne connais pas encore. Alors, sur ces oldies, je joue au clavier souris, mais de qualité. Je vous présente l'excellent Nostromo, qui est un clavier qui tient dans la main. Vous voyez le repose-paume. Et je peux personnaliser mes touches. J'en ai une quinzaine. Donc, d'une main, je suis comme un prince sur mon siège. Et j'ai la divine, merveilleuse souris Nostromo Naga. Nostromo Naga. Razer Naga, pardon. Modèle Trinity. Avec en plus, sur le côté, quand tu l'achètes, tu as trois façades que tu clipses. Moi, j'ai pris l'intermédiaire en cercle, 7 boutons. Tu peux avoir simplement 2 boutons, ou tu peux avoir carrément l'équivalent du pavé numérique alpha, ben oui, numérique des claviers, les 12 boutons en carré. Mais je prends la façade intermédiaire, elle me suffit. Alors évidemment, bouton programmable. Voilà! C'est le luxe. C'est le luxe. Donc j'en prends grand soin de mon matos. Et d'ailleurs, c'est simple. Mon Nostromo, on le voit. Il est. Attendez, je sais pas si je vais vous montrer réussir à vous montrer la webcam. Le repose paume. Non, on voit pas vraiment. Déjà, il faut peut-être que je mette la face côté éclairage. Ah, si, on voit un peu. Vous voyez les imperfections à la surface du repose paume. C'est. Alors, c'est. Il y a un peu de crasse, mais il y a surtout de la coloration noire par-dessus le plastique qui a commencé à se dissoudre à cause de la sueur de mes mains à l'usure. Comment qu'il se la pète? Non, mais franchement, je dois reconnaître que c'est du matos de qualité et j'ai la chance d'avoir pu investir, quoi. Donc je m'en cache pas, je suis heureux. Mais ça aide, franchement. Vous voulez jouer confort? C'est un périphérique, mais ruez-vous dessus. D'ailleurs, c'est ça, vous voulez ma config, vous tapez point d'exclamation matos dans le chat et vous avez à peu près tout le détail, même de la captation de ce que j'utilise pour pouvoir diffuser, si vous voulez les références matérielles. Wally, walou. Alors, il faut que je sauvegarde avant la. Voilà, avant la grande porte. Et là, ça va sauce. Non! Ah putain, deuxième tir, il me bute. Oh la vache. Ah! Non! Il m'a touché. On va y retourner. Là, j'ai rien à dire. On score. On le reconnaît plus. Ah là 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 là. Aïe aïe aïe. Bon, alors je vais rechercher ma partie. Mince, je clique avec frénésie dans le menu, mais je sais pas ce qu'il faut. Pas bien. Ibi. Ibi. Hop, j'ai déjà pris un coup. Au deuxième, je suis mort. Waouh. Merde. Il s'est barré.
me la jouer à l'envers, il va me la jouer à l'envers. Il va me la jouer à l'envers. Oh, attention, j'ai sauvegardé, j'ai osé parce que j'y crois. Parce que je peux le faire. Oh, il y a une combinaison là-bas. Non, ah, j'ai vu la combinaison, ça m'a déstabilisé. Chargement F9. Le score, on s'en pique. Hein. F9. F9. Chargement rapide. Ce jeu est truqué. Remboursé. Ah, tâche ménagère. Ouais, moi aussi j'en ai. Bon poutrage alien et bon live. Merci Poufon, à plus, bon dimanche à toi. A bientôt. Merci tout plein. Alors. Touk. Le vilain, il est où? Hit l'armure, 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 l'armure. Avec l'armure, je vais réussir à survivre. Hit, ouvre, 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 ouvre. Hop, 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 hop. Il est là, le bestiau. Oui, il est sorti, le bestiau. Il est là. Il me tourne le dos. Il me tourne le dos, il me tourne le dos, il me tourne le dos. Ah! Je t'aurais! Non, je... non! Oui! Je l'ai eu! Oui! La zone est sécurisée. Ah. À moi de, doucher, de me doucher dans les ressources et dans les secrets. Ah oui, alors là, oui, là, c'est mérité, là. Je fais le plein de valisettes. Ah, ça doit être... oui, ça doit être l'ascenseur niveau secret. Alors, on le fera après, parce qu'on voit que sur la carte, on a un énorme bloc... gris, là. Et c'est obligé, ça cache un truc. Ça peut pas ne pas être exploité. Oui, merci d'être resté jusqu'au kill. Tchuss. Avec l'animation de mort vaut le coup. C'était le duel de la matinée. Du 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 du, where. Du 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 du, where. Alors, je suis comme un excité à faire le tour du gros bloc et appuyer sur les... Mais c'est moi ou ça a rien ouvert? Ah! C'est là que ça... Ah! Galerie des glaces. Wow, on va se perdre. Attendez, sauvegarde là, parce qu'on va se perdre. Effort de mémorisation. Tiens, comme ça va durer un petit moment et que vous voyez pas souvent l'arme là, je vous mets au premier plan le fusil à pépon. Que je n'avais pas dans la version disquette. C'est sympatoche d'avoir cette nouvelle... Oh, oh, oh. Ah, mais je l'ai déjà l'arme là. C'est la triangulaire que je viens justement de me séparer là. Vache. La vache, la vache, la vache. Ah oui, alors ça c'est quoi ça, la bonbonne de gaz plus? Ah, santé. Oh, adrénaline boost. J'ai 388% de vie. Ça m'a dupé de 3 fois ma vie normale. Oh la vache. C'est The Artifact là. Wow. Oh là là là, là là, mon cerveau est en train de fumer parce que... Ah oui, non, ça c'est l'accès rouge. Pour ceux qui ne l'avaient pas encore. Parce que je fais un effort de mémorisation. Mais là, j'ai le cerveau qui commence à bouillir au niveau... je crois que j'ai fait aucun des deux intersections.
Là, je crois qu'on se dirige vers l'arme. C'est ça. Bon, je l'avais déjà. Mais grâce à un passage secret d'ailleurs dans un niveau précédent, de l'importance de vraiment d'écumer à mort tous les sous-sols, toutes les cartes. Parce que je joue. Alors, oui, tiens, je vous l'ai pas dit ça hier. Je joue en difficulté normale dans le jeu, histoire d'en baver un peu. Et puis de pas bouder mon plaisir. Je pense que j'ai récupéré la totale. Par contre, j'ai pas trouvé le corridor extérieur. C'est un peu con. C'est pas indispensable, mais c'est dommage. Mais on va se diriger vers le niveau secret bonus là, avec l'ascenseur rouge. Enfin, l'ascenseur rouge. Là où j'ai buté le gros Minotaur. Voilà, oui, ça. Hop, je regarde là. Oui, je vous ai pas dit. Difficulté normale. Donc en difficulté facile, la carte vous est spontanément dévoilée en intégralité. Le fait de rechercher l'item carte, là, l'objet carte, ne sert à rien en facile. Ça vous est déjà offert. Et puis il y a toujours le coup, les ennemis sont moins robustes dans la variable d'ajustement de difficulté. Oh la vache, il y a 47 extraterrestres, ça va défourailler. Oh, tiens, je vais rester au fusil à pépon, on va voir ce que ça donne. Et par contre, les niveaux difficiles et le niveau dit président est un niveau. Ah oui, ça c'est pour recharger la lunette. Je suis passé de 270% à 370. Le niveau président, en plus des. Oh putain de. Oh ma. Oh, ben. C'était un guet-apens de polymorphe. J'ai rien vu venir. Tirer deux fois à toucher une fois. Minable. Attendez, je vais recharger le niveau parce que là. Oh merde. Ce fut court, mais ce fut bon. Donc niveau président, en plus des extraterrestres scriptés, ceux qui sont intégrés à la base dans les niveaux, se rajoutent. Vous avez une option en plus au moment de démarrer la partie. Vous dites combien d'extraterrestres au hasard vous vous rajoutez par niveau. Ça va de 1 à 50. Donc l'idée d'avoir 99 extraterrestres par niveau, difficulté max et au hasard au pif. C'est de l'acharnement, ça c'est un truc de ma boule. Je suis invincible. Hop là. Tac, je toque. Alors. Ah oui. En fait, tous les tonneaux sont des. Il suffit que j'y aille tout doux, je les dégomme un à un. C'est là où on voit l'intelligence artificielle, le fait de s'approcher de l'ennemi ou pas, il reprend sa forme normale ou pas. Bah là, c'est offert par la maison, là, vous voyez. Là, je me fais plaisir. Là, j'ai tous les tirs qui touchent, là. Je vais avoir des stats de rêve. En fait, fallait pas que je rentre dans la salle comme un abruti. Parce qu'ils se mettent à attaquer. Ouais, sauf que là, j'aurais pas dû sortir du truc. Bah, je suis mort. J'aurais pas dû sortir du. On va la refaire. C'est bien, les niveaux bonus, ça permet de réfléchir à des stratégies et à s'accaparer l'intelligence artificielle par déduction. Hop là. Et on finit par en déduire les mécanismes du jeu pour bien jouer. Je trouve que c'est bien pensé à ce niveau-là. Il faut pas que je sorte de la cage d'ascenseur. Si je sors complètement, ça déclenche le. Il est bizarre.
là. Ah non, là, j'ai le point de tir, là. Non, il ne m'accepte pas. Bon, hop, je regarde. Et là, je vais hop, hop, je vais tous les provoquer. Je rentre dans la cage, et voilà. Et là, je peux les attendre en un. Boum, 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 boum. Encore qu'ils sont beaucoup à tirer dessus. Non, ils vont me buter. Il faut que je prenne une arme, voyez, une cadence plus élevée. Parce que sinon, je vais pas m'en sortir. Vous voyez, quand il y a vraiment un assaut extraterrestre, c'est redoutable. Donc je change d'arme, je vais prendre celle qui défouraille bien là. Ou le pistolet mitrailleur est pas mal non plus. La cadence de tir est plus élevée. Hop, voilà, tac. Je les ai provoqués. Et voilà. Voilà. Là, la cadence est la meilleure. Après, il faut espérer que j'arrive pas à court de munitions parce qu'ils sont encore nombreux. J'ai pas remis la carte, tiens. Merde, homme. Celui-là, il m'a échappé. Apparemment, c'est le dernier de la salle. Est-ce qu'il se repointe devant l'ascenseur? J'ai pas l'impression. Attendez, je vais vous lire après l'avoir... Voilà. Merde! Merde, homme. Oh non! Mais vous avez vu? Comment qu'ils m'ont viandé, les salopios? Ils ont momentanément disparu avant de réapparaître. Ils ont des pouvoirs, les aliens, là. Allez, go, le bon flingue, le bon flingue, le bon flingue, le bon flingue. Et la carte, et la carte. Woo! Here we go. Alors. Ah, si j'ai une arme préférée, ouais, la triangulaire, elle est stylée. Celle-là, je l'adore. La triangulaire, elle est extra. Non, bah la cadence, si. Elle est faible, la cadence, mais ça permet justement de mesurer la consommation des munitions. Et elle est aussi puissante, la triangulaire. Et puis elle est stylée, je veux dire, elle est bien imaginée. Un truc qui... Quand je tire, tu vois le truc qui fait rotation. Et au niveau de la tête de l'arme. Et voilà l'imagination de l'arme, quoi, elle est super originale. Qu'est-ce que je la kiffais quand j'étais ado. Ça n'a pas changé. Youhou, je suis là. Allez, ramenez-vous. Bon, attends, là je sauvegarde parce que je progresse, mais... Bon. Je perds un max de munitions. Pourquoi je me fais attaquer? Ne me dis pas que... Oh non, c'est dégueulasse! Ils ont parsemé le niveau de laser! Oh non! Oh, c'est dégueulasse! J'ai pas le choix de mon déplacement. Oh, c'est chier! Putain, je me disais, mais pourquoi je me prends des dégâts? Ah ouais, c'est grave injuste! Voilà, puis là je vois plus rien. Hein. Ah non, ouais. Ah bah non, il reste plus d'extraterrestres. Il me dit au compteur qu'il n'y en a plus. Ah, oh, les sphères bleues, c'est de l'invincibilité. Mais ça va me servir à rien, il aurait fallu que je le sache avant. Ah ouais, mais l'idée de se précipiter dans le... Oh putain, mais c'est n'importe quoi. Ah non, mais il y a des niveaux bonus, c'est... Wouhou! C'est n'importe nawak. J'aurais aimé la santé, les gars, là. J'espère que vous allez me donner un max de santé. Niveau bonus, je suis censé ressortir de là avec... Oui, bah si, l'invincibilité, elle va me servir que je suis bête. À pas me taper les lasers. Voilà, là, ça clignote à mort parce que je suis en train de prendre un max de dégâts. Mais vous êtes sérieux, les gens? Il n'y a pas de... Non... Ah merde, je me suis électrocuté. J'ai touché la paroi électrifiée. Oh le con. Ah, tu peux pas ignorer la moindre règle. Le jeu est exigeant. Ce qui fait son charme. Mais...
Oh merde, j'en étais où moi du coup? C'est chez Japu, j'ai passé au garde à quoi? Waouh! Le jeu de lumière était flippant là avec les pixels. Oh mon dieu! J'avais pas fini de les buter! Merde! Chib! Comme tu dis! Alors attends, avec les lasers. Voilà, là il n'y a plus d'extraterrestres, mais il reste les fichus lasers. Oh là là, les lasers qui font bobo. Voilà, là je peux revenir en normal. Merci. Je refais le plein de munitions. Et il n'y a pas de vie, c'est dégueulasse. C'est dégueulasse qu'ils donnent pas de vie. Alors que je sache, dans les niveaux bonus, il n'y a pas de paroi qui se pousse, il n'y a pas de... Enfin, je crois pas. Non, bah là, ça peut pas. C'est des trucs qui ont de la fonctionnalité. C'est dégueulasse qu'ils donnent pas de la vie. Parce que ça veut dire que je vais commencer le niveau suivant avec de la... Pas d'armure neuve et de la vie endommagée. C'est dégueulasse. Oh merde, alors. Alors, je sais plus. Ça compte pour toutes les armes, le hameau. C'est pour ça que je fais basculer mes armes. Je vérifie si. Hop là, attends. Hop, vite, voilà, je traverse tout ce qui est. Hop, je recharge. Et je me barre. Hein. Voilà. Voilà, bonus. Ouais, ouais, pas mal le ratio. Il est bon le ratio. Ah si, ils m'ont mis 100% de vie. Ça va, quand même. Je préfère ça. Allez, on continue. Sixième sous-sol. La progression est pas mauvaise. Hein. La progression est pas mauvaise. Je vais peut-être pas garder le fusil à pépon. Bizarre que les murs soient si épais. Oh, c'est cadeau! Ah oui, la carte révélée, c'est cadeau. Oui. Oui. Ça se présente sous les meilleurs auspices. C'est ça qui est bon. Ouh, la tronche du niveau. Alors, 38 ennemis à débusquer, comme vous pouvez le voir. Comme vous pouvez le voir. Allez, j'ai que c'est celui du milieu. Non, celui du côté, non plus. Bon, on va tous les faire. Il est où mon accès bleu? Il est où? Il est où? Il est où? Il est là! Oui! Il n'y a pas l'accès rouge en cadeau offert non plus, il devait y avoir des portes rouges ici. Mais comment tu le trouves, SDR, le jeu? Je serais curieux d'avoir ton avis. Si ça t'enquiquine pas de clavarder un peu, s'il te plaît. Ah! On le voit à travers la porte, l'ennemi. L'ennemi, le mal. Ah. Je regarde la carte aussi. Putain, c'est dur. Oh, j'ai vu un truc. J'ai vu un truc. Oui, oula. Hop 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 hop. Je l'ai vu rentrer dans le schmilblick. Ti 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 ti. Ça y est. Je suis perdu dans les dédales.
Voilà, je retourne complètement dans ma nostalgie de l'adolescence années 90. Je commence déjà à chantonner des tubes dance de l'époque que j'écoutais à ce moment-là, quoi, qui passaient à la radio, qui étaient les derniers tubes à la mode en discothèque. Oh, lui, il s'est pris pour un casier à dossier, le vilain. D'ailleurs, faut que je regarde ma carte parce que. Merde. Il y en a qui se promènent dans les couloirs là. Non? Ouh, pou, 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 pou. Il se passe de ces trucs. Attendez, j'ai du grabuge. Grabuge! Waouh! Alors lui, il est planqué. Hop là! Voilà. Je l'ai. Honnêtement, je l'ai plutôt bien géré. Hop là! Je le savais sur la carte que c'était un alien. Mais le petit point jaune, ah les salopions. Vous ne m'aurez pas. ou ah, ou probabilité de mur qui coulisse élevée. Probabilité de mur qui coulisse. Eh ben non. Eh ben non. Attendez voir que je lise la carte. Ah non. Non, 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 je suis déception. Non. Oh! Alors vous voyez ça? Le symbole biohazard alerte bactériologique. Eh ben je l'avais pas dans la version disquette. Je découvre cette texture. Elle m'était totalement inconnue jusqu'alors. Waouh! Ouais. Je connaissais pas la texture là. Qu'est-ce que ça va être quand je vais découvrir de nouveaux ennemis? Ah, ça me motive, c'est génial. C'est génial. Alors attendez, que je fasse usage pertinemment de mon cerveau, c'est-à-dire aller au bon endroit. Faut que je fasse gaffe parce qu'il n'y a pas des pièges. Hein. Non, il n'y a pas. Oh là, là, il y a un ennemi. Tac, je l'avais vu sur la carte. Attends, attends, attends. Ouh, il y a du monde là. Là, il y a du monde! Il y a du monde! Il y avait du monde. Oh oui! Accès rouge autorisé. Mais il n'y a pas de mur qui coulisse. Là, je suis un peu frustré par rapport au nombre de murs que j'ai tâtés, de pas avoir eu un résultat positif de murs qui bougent. Il y a quoi là? Non. Rien de rien. C'est la salle qui sert à rien en fait. Parce que là je suis le long de la paroi extérieure, mais. Et encore, je trouve que c'est bizarre. J'ai l'impression que là cette fois-ci c'est pas un corridor en cercle mais en U. Voilà, je vais rallonger comme un abruti. Pardon de faire ça, mais ça me permet de voir. Hein. Pardon. Oh, j'ai des renvois. Des secret passage, des passages secrets. Je suis pas allé par ici moi. Je suis pas allé par ici. Je lis la carte comme d'habitude. Je vais sauvegarder car je suis en train de progresser. Il n'y a rien là-dedans, c'est des fûts nucléaires. Je suis dans une zone pas piquée des hannetons.
Il y en a un dans mon dos, il y en a un dans mon dos, il y en a un dans mon dos qui arrivait. Il était là-bas, je l'ai eu. Wouh! La vache, j'ai pris cher quand même au niveau dégâts. 43% de vie, merde. Je dis merde. Non mais c'est obligé là, il faut qu'il y ait un passage secret là. J'en ai marre. Je veux un passage secret. Ah! Ah! The corridor. L'accès sur les côtés. Ah, oh merde, j'étais poursuivi, attendez. Attendez, attendez. J'ai été poursuivi. Bidi, 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 bidi. Touk. Ouais, mon rythme de progression est bon. Coucou, je suis là. Brum, brum, brum. Surprise, motherfucker. Attention, là va y en avoir. Ah merde, je peux pas pousser le mur. Il y a un truc qui fait obstacle. Ah bah c'est peut-être un ennemi, tiens. C'est peut-être un ennemi qui m'empêche de pousser le mur. J'essaie d'y aller au forcing. Mais comme on voit sur la carte, ils sont tous accaparés dans l'angle. Je peux pas pousser le mur du coup. Merde, il va falloir que j'arrive à les avoir classiques quoi. C'est dommage pour le jeu Jacques Chirac quand même. Bah tu sais, le jeu Jacques Chirac. Alors peut-être pas cette semaine parce qu'il m'a bien agacé. Mais je sais pas, je verrai. Je le ferai en off, hein, comme je l'avais dit. Et puis... Oh, il y a un nouvel ennemi là. Le mauve. Vous vous souvenez, le premier qui apparaît dans le portail. C'était un mauve. Oui, ah oui, j'abandonne pas SDR. C'était juste sur le moment, c'était agaçant de pas progresser et que c'était bugué. Je vais le réessayer hors antenne. Je vais essayer de passer l'entraînement. Parce que l'entraînement, vous l'avez vu, c'est juste que le truc est bugué. Mais j'ai fait tous les trucs, c'est juste que le jeu est bugué. Quand j'aurai trouvé la combinaison gagnante, je sauvegarderai. Et je vous dirai attention, Jacques Chirac, là j'ai réussi à débloquer la situation. On se pose dans l'agenda, je rediffuserai la première vraie mission. Ah oui, j'y tiens. Je vais essayer de le faire par petits bouts, tu vois, le Chirac. Mais là, il m'a bien gonflé d'entrée de jeu. Parce que, vous l'avez vu, c'est couillon comme bug. Là, le tuto, j'aurais dû l'avoir validé, largement. J'avais fait les trucs dans les règles de l'art. Ah, il reste encore 5 extraterrestres. Il reste encore 5 extraterrestres. Comment je fais pour les rejoindre d'ailleurs? La lecture de la carte est pas évidente. Moi aussi, ça m'a gavé pour être franc, alors j'imagine même pas pour toi. Ouais, bah. Voilà. Vous avez vu. Allez, sortez de là. Allez, pan. Allez, plus que 3 extraterrestres. Il y a rien dans le matos de l'armée américaine, non? Il faut peut-être que je reprenne des munitions quand même. Munitions. Je tac, sauvegarde. Je suis en train de lire la carte. Pour voir par où est-ce qu'il faut que je passe dans ce dédale de fou furieux. Ah oui, je veux bien aller dans la chambre d'énergie. Oui. Sur le moment, après, j'ai hâte de le revoir. Faut qu'on sauve Jacques. Oui, je pense qu'on le fera. Mais peut-être qu'on va prendre toute l'année 2022, tu sais, par petits bouts. De réussir à déverrouiller la situation, quoi. Mais total respect à, pardon, à joueur du grenier. Merde, je sais même plus où je suis. Ah non, je suis là. Total respect à joueur du grenier, Fred et Seb, qui sont parvenus à le finir, quoi, parce que... Dur. Haute tension, le blas. L'autre, il est où? Est-ce qu'il a bougé? Il a pas bougé. C'était le dernier! Floor secure! Sauvegarde!
Ouais. Respect à JDJ. Non, il n'y a pas un raccourci, non, mince, on peut même pas tricher. Alors. Il faut que. Pardon. Il faut que je retourne dans le. Dans le corridor que j'avais trouvé. Du coup, est-ce que je peux pousser le truc dans le sens contraire? Bah non, la porte est fermée, forcément. La porte est fermée. J'y étais un truc comment bah là, j'avais. Voilà. J'avais poussé ici. Hein, tac. Et là, non, ça va se pousser. Voilà. Parce que là, il n'y a plus d'ennemis qui bloquent. C'est bien ce que je me disais. Mais pardon, ça m'a coupé dans mon élan de sauvegarder à chaud. Là. Là, je les ai trucidés. Oula, doit y avoir un truc là. Non? Non. Y'a rien? Ou alors c'est dans le dans les couloirs classiques. D'ailleurs quelque chose. Ah, une petite ventilation. Boum boum boum. Merde, je peux pas pousser le truc là, pourquoi? Bah, le truc est prévu à être poussé, je peux pas le pousser, mais y'a plus d'ennemis. Que signifie? Bizarre. Tac 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 tac. Alors là il peut y avoir des trucs là. La preuve. Ça j'avais déjà fait. Mais il pourrait y avoir d'autres trucs. Alors, est-ce qu'on a des murs qui coulissent? Non. Toujours rien? Ah non, j'avais fait là en fait. Merde, là aussi je peux pas pousser. Oh, j'ai un truc qui bloque, je sais pas c'est quoi. C'est bizarre. Bon. Le mystère du jeu vidéo. Nous ne saurons jamais. Oups, mince, je me prends dans le. Bah tiens, d'ailleurs si, je vais sortir par là. Allez hop. Tac 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 tac. Mais sans déconner, j'ai pas loupé une salle énorme moi. Je sais plus. Je suis dans le doute là. Non. Bah oui, mais c'est mon ascenseur de départ, je suis arrivé par là. Bizarre. Sans déconner, ça me laisse dubitatif là. Attends. Y'a rien de rien? Non. Mais non, j'avais tâté les machins là. Bon. Y'aurait rien. Et l'autre coin qui me. Oui, Olive. Oui, une, mais repose-toi bien, Olive. Oh merde, j'ai pas fait le truc avec la paroi électrique. J'ai touché le truc électrique. Oui, repose-toi bien, Olive. Si c'est pas là. Attends. Possible. Là aussi, ce serait de la surface qui aurait pas été exploitée. Il n'y a pas un truc de caché. Merde, non. Tac, tac, tac. Si je vais là. Et là, au fond, il n'y a rien. Non, il n'y a rien. Bon, bah. Faut accepter les évidences. Il y a. Enfin, les évidences. Y'a rien. Ah oui, attends, je vais faire un peu de santé avec la chambre de. La chambre de régénération. Oui, un crapet de roche. Oh, c'est nom de poisson.
Un grappé de rush. Le petit crappé de rush. J'étais arrivé par là-bas, je crois. Et je ne sais plus. Non, pas du tout. Enfin bref, c'est le grand corridor. Peut-être que... Bonjour Chris, j'espère que tu vas bien. Moi ça va très bien, merci. Il me dit quoi dans les stats? Il me dit que j'ai loupé un passage secret ou pas? Ah oui! J'ai découvert la moitié des passages secrets. Crotte. Je comprends plus. Je vois pas où était l'accès au... Pourtant j'ai poussé des murs. Hein. J'ai tâté à mort, mais ça a pas suffi. Je ne comprends plus. C'est là où je vais apprendre qu'il faut parfois tirer dans les murs pour les péter. Une mécanique de jeu qui, à ma connaissance, n'existe pas dans le jeu, mais bon. Je suis plus assez prêt. Je suis plus assez prêt. Il n'y a pas de mauvaise surprise là? Il n'y a rien en infrarouge? Non, il n'y a rien. Yeah! C'est bien quand même le sage, la moitié des passages secrets. Ouais, c'est toujours ça de pris. Bonjour Twinsen, j'espère que tu vas bien. Ouais, c'est toujours ça de pris au niveau de la moitié des passages secrets. Pardon, je vais honteusement boire mon café au lait dans le bidon de lait de chèvre. J'ai rajouté le café dedans puisqu'il me restait un fond de lait. Elle est marrante, ton émoticône tête de panda, là. Non, moi, c'est sanglier, moi. Moi, c'est sanglier. Qui tient chaud, c'est cool. C'est cool. Oui, la pauvre Olive qui disait « Je me mets en lurk, je me relaxe. » Et puis, du coup, poliment, elle ressaisit son clavier pour vous saluer. Wow, tout de suite l'accès rouge. Mais what the fuck? Mais c'est vrai que sur les côtés de l'ascenseur, je pourrais avoir un passage secret. Très discret, mais... C'est valable. Non, y'a rien. Y'a rien. Bon. Bah, faut bien se lancer un jour. On est au sous-sol numéro 7. Il y a 43 extraterrestres, déjà plus que 42. Hop. La mauvaise rencontre. Le v'là. Bam. Bam 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 bam. Je vais me faire serrer. Nya, nya, nya. Oui, je veux l'accès bleu. Il est où le terminal pour... Ah, le truc c'est pas refermé, tu me diras. Coucou. Non, y'a personne. Si, si, y'a du monde. Attends. Ah, je me disais bien qu'il déambulait pas loin. Merde. Ah oui, j'ai très bien dormi. Oui, il est beau ton jeu, Chris. Que j'ai regardé hier, là, quand je t'ai fait coucou au moment d'aller me coucher. Oui, oui, il est féerique ton exploration spatiale, là. J'ai beaucoup aimé. Je connaissais pas du tout. C'est une rêverie, ton programme. C'est vachement bien. Oui! J'ai déverrouillé l'accès rouge. C'est ça qui est bon. Il reste 37 extraterrestres à débusquer. J'aimerais tellement trouver le mur coulissant du corridor là. Que ça m'arrangerait bien. D'ailleurs, j'aurais dû faire celui du fond là, sur le côté. Non,
Enfin, si, je peux le faire, mais je crois pas. À la vue de la carte, maintenant. Pardon. Alors, ça, j'ai coulissé ou pas? Non. J'ai tenté du mur, mais ça marche pas. C'était un mur en dur, je l'ai dans le baba. On dirait presque une parodie à la... À la... Ah, j'ai oublié son nom. Ah ouais, non, mais ton programme, il est magnifique dans l'espace, là. Il est super. Du... Merde, comment ça s'appelle? Oh, le grand artiste français. Auprès de mon arbre, je vivais heureux. J'aurais jamais dû quitter mon arbre. Auprès de mon arbre, je vivais heureux. J'aurais jamais dû le quitter des yeux. Georges Brassens, merci Twinsen. Mon anti-Alzheimer. Aïe, aïe, aïe. Oui, voilà. Ça aurait pu être une chanson de... de Brassens que j'ai improvisé. Je savais qu'il était là, le sagouin. On va sauvegarder. Parce que je vous ferai observer que ma progression est excellente. Le rythme est vraiment bon, là. Je suis content qu'on soit déjà au 7e sous-sol. Il est crevé depuis bien longtemps. Ouais, le malheureux Brassens. Paix à son âme. Bah, à vrai dire, je connais mal son répertoire. Ah, Georges Brassens, là. Chris, toi qui dis que t'adores ses chansons. C'est vrai que je connais mal son répertoire. Je connais beaucoup plus le grand Jacques Brel que j'écoutais avec mon papa. On aimait beaucoup. Et Charles Trenet, moi. Moi, j'aimais bien Charles Trenet. Il faudra que je me les réécoute, les CD de Charles Trenet. Et belle poésie aussi. Mais Brassens, j'avoue que... Je suis passé entre les mailles du filet, si je puis dire. Là, il n'y a rien sans déco... What? Non. Bah... Elle est bonne, celle-là. Vous avez vu ça? Le mur, il n'a pas de valeur physique. Je me confonds avec le mur. C'est un bug? C'est... Attendez. Je le vois normalement, le mur? Ah oui. Ça doit être un bug. Bah alors? Oh la vache, ça m'a surpris le truc. Trop bizarre. Ah, Twinsen. Oui, pas sans Nancy, oui. Twinsen, merci encore pour tes liens quotidiens, j'ai envie de dire maintenant. tu m'as donné le lien, tu sais, pour télécharger le jeu, là, Corridor 7 en Abandonware. Eh ben, tu sauras que c'est la version que j'ai depuis que je suis ado. C'est la version disquette. Là, je fais la version CD. En fait, tu le vois facilement quand tu télécharges la version Abandonware. Elle est pas trop lourde en poids. C'est la version disquette. Alors que la version CD, elle fait 450 mégas, je crois. Avec les vidéos, le contenu additionnel, etc. Donc, je sais pas plus mal que ce soit comme ça. C'est... Merde. C'est honnête et puis ça permet de... rémunérer les intéressés. Ah, je l'avais pas oublié là. Voilà. Il reste 31 adversaires. Oh la vache. Eh, ça commence à se corser le jeu là. Parce que 37... Ah oui, c'est vrai que j'ai la carte d'accès rouge. Rien ne peut m'être refusé. Oula, il faut que j'arrête de faire le mariole. Il y a du monde. Ça bouge. Attends, c'est un bug? C'est moi ou j'ai vu la porte coulisser? On a bien vu la porte coulisser latéralement. Elle est censée juste champ de force électrique. Elle n'est pas censée coulisser.
petit bizarre. Il y a un truc, c'est Majax. Bizarre. Bon, à croire que la version CD est buggée comparée à la version disquette. La version disquette, sans déconner, elle était bien. Non, au niveau pas de bug, je parle. Enfin, du moins, j'en ai pas le souvenir. Il faut que je reste sur mes gardes. Il y a encore 30 extraterrestres qui peuvent me faire la peau. La peau sur les os. Non, je suis déjà passé par là, je crois. Oh, ça devient de plus en plus labyrinthique. Ce qui est dingue, c'est que je regarde plus ma carte que ce que j'ai sous le pif à l'écran en vrai. La carte est vraiment d'un haut intérêt stratégique. Elle a l'air culon et assez suicidaire, mais bon, ça me permet de me repérer. Il faut que j'aille par là. Là, je sais plus si je suis allé dans les salles ou pas. Il n'y a pas d'extraterrestre, apparemment. Et à côté, il y avait quoi? Là, il y avait un grand... Ah oui, non, je les ai zigouillés, ok. Le couloir, là, je l'avais fait. Et la salle, là, ça débouchait sur quoi? Non, bah, juste un hibou que j'ai trucidé. Bon, on peut se moquer un peu des jeux vidéo de l'époque. Le salarié, là, qui bosse sur son siège avec les bouquins et l'ordi. Le mec, il veut aller aux chiottes ou à la cantine durant ses heures de travail. Voilà les couloirs qu'il doit traverser. Le mec, il meurt avant de retrouver son chemin. Bon, c'est pour se gentiment se moquer des jeux de l'époque. Vous voyez, c'est pas évident hein, quand on n'a pas la carte de dévoiler intégralement. Il faut faire un effort intellect de mémorisation du schmilblick. Attends, où est-ce que je suis pas passé? Je suis revenu au début, poil rue. Je suis revenu au début. Ah oui, c'est là où je disais qu'il y avait l'accès rouge. Ah bah tiens, on va le faire. Comment ça, tu sais, c'est vraiment obligatoire. Hop, 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 hop. Le fourbe. Le fourbe polymorphe. Oh! Ils sont deux. Je les ai eus. Hop! Putain, il m'a saucé, lui. Oh là là, le dédale. Pardon si ça fait bouillie de pixels à vos yeux, mais... Hop! Il y a quelqu'un qui m'a tiré dessus. Oh la vache! Il était dans mon dos, je l'ai pas vu. Faute! Wow! Ah non, ça veut dire qu'il y a des lasers. Pariez combien que j'ai traversé un laser? Voilà. Je me suis mangé des foutus dégâts. Bonjour Rika, j'espère que tu vas bien. Ah, oh, elles sont magnifiques tes émoticônes. Ouais, sympa la découverte de joueurs sans fromage. Je vais apprécier le regarder, et puis de temps à autre, quand j'aurai l'occasion, je me ferai un plaisir de faire un relais de chaîne côté Québec. Et c'est vrai, sa barbe a de quoi être légendaire. Il a effectivement une barbe magnifique. J'ai très mal joué cet adversaire. J'ai un guet-apens. Fais la volonté. Voilà. Attends, un peu de calme. Munition, vie. Ah oui, alors la vie, j'en ai vraiment besoin. Tac. Ouais.
On aura cesse de te remercier pour l'abonnement offert, Erika. Hop, 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 hop. Il faut que je reste concentré comme le lait. Ah! Tu t'es trahi. Oup, 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 oup. Ça bouge, ça bouge, ça bouge, ça bouge, ça bouge. Il reste... Pff, vache. Il reste 17 et demi. Hein. Vous vouliez de l'action, vous en avez ce matin. Bon là, c'est pas Jacques Chirac qu'on va sauver. Pourrait me reprocher SDR, mais... Oh là là, mais c'est trop chou ces icônes. Hein, c'est Mimi. Munitions, munitions. Donc, oh là, mais on est en pleine nuit de ton côté, Erika. Je suis en train de faire le calcul. Il est 4h40 du matin chez toi. Oh, t'es encore en train de souffrir d'insomnie. Hop, 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 hop. Il y a du paper là. Il y a du paper. Je suis où? Je suis dans un endroit où un mur pourrait coulisser. Mais j'y crois pas. Eh ouais, une nouvelle fois, je l'ai dans le baba. Ah, pas loupé la petite mallette de premier secours. Pouk. Game 2 served. J'ai dormi... Ah, oh! De 5h de l'après-midi à 11h... Ah ouais! Oh vache, t'es décalé grave! Dodo de 17h à 23h30. Ok. Tu es devenue Madame Nocturne. On va t'appeler Noctura maintenant. Erika Noctura. Eh hey, ça ferait un nom d'artiste pas mal. Erika Noctura. Si un jour tu te lances dans un truc artistique, quel qu'il soit, je t'offre le pseudo. Nom d'artiste, ça fait trop classe. Le nouvel album d'Erika Noctura. Oui, ouais, c'est vrai que du coup, t'es décalé sur le fuseau horaire français, ouais. Ça fait bizarre pour quelqu'un qui est à Québec. La belle province de Québec. Bon, j'arrive à trouver des murs qui se poussent, qui coulissent, là. Je veux un bonus, je veux un bonus. Les lasers, merde, je les ai oubliés et j'ai encore pris cher. Je me suis fait couper au couteau là. Les lasers infrarouges. Passage secret ou passage secret? Kenini, nous n'avons rien. 13 et demi dans ce niveau. Da badi 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 bado. Allez, dites-moi qu'il y a un mur qui coulisse même pas. Je suis dégoûté. Pour rien ne vous cacher. Je me souviens pas avoir fait secteur. Wow. Je me suis mis un petit coup d'adrénaline là. Je quitte le Québec, man va en France. Wow. Non merde, je me fais buter. Oh bah là. Ça faisait un petit moment que j'avais pas été quick. Voilà. Je m'appelle quick maintenant. Mince. Mais j'ai merdé ma saisie à la noix. Zain, je vais y arriver. Oui, cet après-midi, on fera de la PS3. Mais je vais m'accorder un peu de temps. Donc je redémarrerai certainement pas à 14h. Je pense que je redémarrerai plus vers les...
Et c'est dangereux. J'ai sauvegardé à côté d'un ennemi. Pas mal, hein. Je reprendrai plus vers les 16h tout à l'heure. Parce que... entre appeler la famille, prendre des nouvelles au téléphone et... et quelques tâches ménagères, moi aussi. Oh oh, de dos. Le malheureux. Stratégiquement, elle est intéressante, cette salle. Il y a des valisettes et des munitions. Des valises de santé. Vous savez quoi? Je me demande si cet après-midi, en relançant la PS3, je dirais pas non à me refaire le tout premier Resident Evil. Vous savez, dans le manoir Spencer. Mais il y a quelques années, je l'avais fait avec la demoiselle Jill Valentine. Je serais amusé d'essayer de le refaire avec le garçon, Chris Redfield. Je sais pas si ça vous dit. C'est ce qui me passe par la tête, là. On verra, hein. Rien n'est sûr. Je peux encore changer d'avis le temps de la pause déjeuner. Il reste 8 extraterrestres. J'ai pas trouvé la carte du niveau. Oui, c'est là où ça bug. C'est là où il y a le cube mural qui bug, que j'ai rien capté. Merde, mais ils sont où ceux que j'ai pas débusqués? Je sais plus. Dans ce que j'ai fait du niveau ou pas. Là, par exemple, j'y suis allé ou pas? Oui, je viens de me servir dans les... Merde. Le côté limbiratique est terrible. Oui, là, je les ai trucidés. Ça aide vachement d'avoir la carte intégrale du... des lieux, du niveau, là. Je suis à l'aveugle et ça ne m'arrange en rien. On a déjà fait le rouge, on a déjà fait... Quelle est la zone que j'ai pas faite? Ouais, c'est une version légèrement améliorée du moteur de Wolfenstein 3D, ouais. C'est ça, Twinsen. Zéza. Non, je retourne là où j'étais. Merdoum, mais c'est quoi le secteur que j'ai pas fait? Yeah, un brochet 6 alpins de 8 kilos. Un beau brochet de 8 kilos. C'est ce qu'on appelle une belle prise. Attends, il y a un truc qui m'intrigue là. C'est un espace vachement. Il n'y a pas un truc à coulisser là? Ça fait un étrange bloc. Sérieux, il n'y a rien de rien? Je peux pas. Non, là, les trucs en vitre, je peux pas, mais. Non! Il n'y a rien. C'est pas une pièce le machin. Sans déconner, ça aurait pu. Il y avait suffisamment de volume pour cacher un petit truc. Ouais, la pêche de ce matin, ça aurait été en vrai, là, t'aurais eu tes repas pour le week-end. Complet. J'ai pas fini de grignoter mon petit déj, pardon. Mmh.
Attendez, j'ai une idée. J'ai fait ici ou pas? Non, voilà. C'est la partie qui me manquait. Merde, il a failli me trucider. Faut que j'arrête de me lancer à cœur perdu comme un bourrin dans le sauvegarde, mais bon. Bien fait pour ma tronche. C'est ça qui me manquait. C'est ce dédale à la noix. Non, on me touche une fois, je suis mort. Il reste 4 extraterrestres. Il est tout proche. Ah! Ah! Ils m'ont eu! Oh, verron de la Garonne. Là aussi, je l'écris. Fiche! Parce qu'on s'en fiche. Ah, merdoum. Merdoum, c'est bien, j'ai trouvé le secteur qui me manquait. Façon condamné à tourner en rond, tu finis toujours par débloquer la situation. En persévérant. Alors... Il y avait lui, ouais, je m'en souviens. Là, je sais plus. Je suis nerveux. Parce que là, en gros, c'est lui ou moi. On y va! Ah! Ah! Bon. Oui! Ils sont morts! L'étage a été nettoyé. Je l'ai désinfecté de toute forme de vie extraterrestre. C'est bon. Alors, c'est dans le genre de Dédale qu'il y a les passages secrets, forcément. Les concepteurs de la carte s'y donnent à cœur joie de faire le truc planqué à mort. En même temps, il y a tellement de possibilités. Non, apparemment il n'y a pas. Il n'y a pas, je suis déception. Au final, je l'ai dans le bip. Non, je ne ferai pas la rime. J'ai pas trouvé le corridor. Il me faudrait une armure. Il me faudrait surtout de la santé. J'ai 0 de santé. Je sais même plus dans ce niveau où étaient les trucs de santé. Merde. Attends, il y avait une grande salle là-bas. Là, il y avait une grande salle qui offre rien du tout. Non, je vais errer en quête de santé, de valisette, de premier secours dans les murs là. Où sont-elles? Et d'une. Une valisette. Il m'en faut, sans déconner, il m'en faut 3 autres. Il m'en faut 3 autres pour être à nouveau au taquet. C'est balèze. Non, c'est dégueulasse. Il n'y a rien dans ce secteur. C'est nul. C'est nul. C'est nul, remboursé. Là, il y avait juste des munitions. Mais j'ai déjà fait appel à la ressource. La valisette ici a déjà été sollicitée. Ah, merde.
Dans le hall de sécurité, je pense pas qu'il y ait une valisette. Non, non. Il n'y a pas les premiers soins là-dedans. Ah, en voilà. Cool. Munitions, munitions. Oh, putain, il me faut aussi des munitions. Hein. J'ai tiré à gogo. Ah, bah, je l'ai pas pris celle-là. Plus qu'une. Allez. Que je sois au taquet pour la suite. Une dernière valisette munitions. Munitions. Santé. J'étais déjà passé par là, moi. Non, allez, tant pis, je renonce. Là, il n'y a rien. Ah, si, il y en a une là. Bon, bah voilà. Mission accomplie. Alors, retour à l'ascenseur. Voilà. La suite, je vous prie. Ah oui, voilà. Zéro passage secret. Là, je l'ai dans l'oignon. Alors celui-là, à pas trouver. Plus on s'approche du portail, hein, plus il y a de monde. 49 extraterrestres dans ce niveau. Le 8e sous-sol. Et je suis déjà quasiment à un quart de million de points. C'est la folie. Alors, j'ai un comité d'accueil, j'ai rien, j'ai des pièges en infrarouge, apparemment non. Wow! Il m'a fait mal. Vache, à bout portant là. La vache, il m'a fait mal là. Oh! Cette violence gratuite! Non! Non! Bon, bah, ce que je vais faire là stratégiquement, c'est que je vais ouvrir la cage d'ascenseur. Je vais tirer un coup, coucou, je suis là. Et comme un lapin apeuré au fond de son terrier, je vais attendre au fond de la cage d'ascenseur qui se présente dans mon champ de tir. Parce que là, non. Non, là, c'est pas possible. Voilà. Là, j'ai plus qu'à attendre. Perdu. T'as loupé ta prise, Chris. Dommage. Enfin, s'ils veulent se pointer maintenant, parce que s'ils me font le coup de pas se pointer. Hop là. Voilà. Je suis là. Voilà. Hop. Oh là là, 48 ennemis à zigouiller, ça va défourailler. Ah, il y en a un qui va arriver, non? C'était un polymorphe, on a un autre. Bili 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 bili. C'est bien, pour le moment j'ai perdu aucun point de vie. Là franchement, il en reste 41. Oh là 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 là. Donc c'est tout bénef pour moi. J'ai la carte d'accès bleue. Oup, oup, oup. Face to face. Ça bouge, il y a du rabuge. Il y a un beau défilé là. C'est bien, vous avez un bestiaire assez varié sous les yeux. Hop hop hop, le v'là, le gremlins là.
Ils ont des airs de Gremlins. Je pense que le monstre est inspiré de Gremlins. Hmm. 29. Oh la vache. Vicieux celui-là. Il était pas yo. Il me reste 28 à défourailler. Je suis à la moitié de ma vie. Encore. Il y en a encore un là qui va se présenter à moi. Même un deuxième. Oh! Oh, je me suis fait avoir comme un bleu. Oh là là. J'ai pas regardé derrière moi. Arf! Non, Gwerf. Ouais, voilà. La cri de douleur. Non. Je me suis fait avoir. On va reprendre mon carnage depuis le début. Attends, par où il a fait le tour? C'est pas possible, l'extraterrestre. Il a fait le tour. Ouais, il faut vraiment que je reste là et que je regarde bien ma carte. Allez, c'est reparti, on recommence le défilé. Reste 28. Au suivant. Voilà. Là, c'est redevenu calme. Il y a des retardataires. Tiens, je me souviens pas de cette texture de mur. Ça doit être une nouvelle texture qui est propre à la version CD. Ça ne dit rien du tout, la texture là. Non, y a rien. Accès rouge peut-être. C'est la salle des terminaux. Alors. Attention. Ah, voilà, blablabla. Accès rouge. Merde, je suis allé dans le sens contraire. Oula, oula. Voilà. C'est par ici que je suis pas allé. Hop, il y en a un derrière moi. Oh, il n'y a pas de polymorphe. Avec tous ces végétaux, il n'y a plus un polymorphe dans le dos. Et là, il m'assassine dans le dos. C'est leur petite pépinière de relaxation, salariés ici. Ça fait mini forêt. Il n'y a pas de mur qui coulisse. Ah, soupir, je suis désespoir. Il n'y a pas de mur qui coulisse.
Non! Oh là là, pourquoi je me suis collé à lui? J'aurais dû garder mes distances. Ah bah, bien fait pour ma tronche. Non, non, là j'étais trop imprudent. J'étais trop imprudent. Faut que je boive, là j'ai la gorge qui s'assèche. Merde, j'en étais où? Je sais plus où quand j'ai sauvegardé. J'espère que j'ai sauvegardé après le défouraillage. Hein. Oui. Mmh. 20 ennemis. Il en reste 20. Ah, le là. Non, sinon il n'y a rien d'autre. Côté là, il pourrait y avoir un passage secret, ouais. Vu que c'est le mur corridor. Ouais, je crois que je la connais pas, la texture là. Attends, je peux prendre une valise Z pour la santé. Hop! Je vais en prendre une autre. Histoire de survivre. Non, toujours pas de mur à coulisser. Non, y'a rien. Sérieux. Are you serious? Oh, je vais. Attends, je vais peut-être garder. Ah non, c'est la salle que j'avais nettoyée. C'est la salle que j'avais nettoyée. Et là, pareil, il n'y a rien à. À pousser. Non, il n'y a rien. Bizarre. Bizarre. Ah! Oui! The corridor. Ah, c'est ça qui est bon, c'est ça qui est bon. Mmh. Hop. Ah, cool. Ouais, non, là, il n'y a rien de particulier. Oh, vicieux! Je savais pas qu'on pouvait les pousser, les murs à valisette santé. Putain, la vache! Là, j'apprends un truc. Je me souvenais pas ça de la version disquette. Qu'est-ce que c'est que cette zone que j'ai pas faite? Wow, cool. Lunettes, ouais. Je rajoute 100 points de batterie. Hop, hop. J'ai eu un petit coup d'adrénaline. Merde! Je l'ai très mal géré. Je l'ai très mal géré. Douze extraterrestres qui restent à débusquer. 12. Ah bah je l'ai pas fait par ici, tiens. Mais ça ne m'a accès à rien en fait. Oui, c'est une salle bidon là. C'est vraiment une salle bidon.
que je retombe dans le grand corridor là. J'étais où? Ah oui, c'était là. Et hop, je veux bien un peu de santé. Oui, les valisettes, je l'ai dans le nion. Je retourne en arrière. Il y avait la salle aux valisettes. La salle premier secours, je vous prie. Yep. Il m'en faut encore deux. Tac. Tac. Voilà. Ah bah, j'en ai encore une en réserve. Le cas échéant. On sauvegarde. Ça c'est marrant, la sauvegarde qui casse l'élan de la course. Ouais. Bon, il y a toujours l'avantage de voyager rapidement quand on est dans le corridor, mais... Ouais, bon. J'ai vite fait de faire le... Ouais. Humble chevalier. C'est une jolie prise. C'est une jolie prise. Hop, 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 hop. Attends, pourquoi il y a beaucoup de sas? Ah, c'est une salle de conférence. Je comprends mieux le comment du pourquoi. Oh, attention, là il y a du peuple. Là il y a du peuple que j'ai pas. Boum, boum, boum. Là il y a du peuple. Wow! Ils sont dans la galerie des glaces, les gars. Ok. On va s'amuser. Oh 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 oh. Et oui, tu peux être content. Oh merde, il y avait des lasers. Non, c'est dégueulasse. Non, non, c'est trop dur, là. Là, j'ai mené l'assaut de manière très conne. C'était pas du tout maîtrisé de ma part. Blablabla. Voilà. Inscription pifomètre. Tep 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 tep. Oh, oh, comment qu'il m'a allumé l'autre. Game over. C'est ça. Et vous remarquerez que j'ai toujours pas fait usage des mines de proximité. J'en ai 25 sur moi, les mines de proximité, je les ai pas encore utilisées. Bon, il y a le foutu laser, mais je peux pas parer ça, je suis obligé de m'exposer au laser. Ouais, je perds 10 points de vie à chaque fois que je... Oh, ils se bloquent entre eux, les nigos. C'est ballot, cette histoire de laser. Ça, c'est chiant quand même. Et si je fais ça... Non, mais non, je suis mort. Comment je la gère, la serre-là, la salle-là? J'arrive pas à savoir. N'importe quoi, le nom. Comment je fais? Là, il y a un truc stratégique à faire. Je vais même regarder si... Bah non, j'ai déjà fait le tour avec le corridor. J'ai pas de mur qui coulisse à cet endroit-là. Je peux pas arriver par les murs. En passant, avez-vous des nouvelles de Franck? Il a quitté sur un moyen temple. Alors, Erika... De ce que je connais de Franck Guillaume, de son vrai nom, Franck, normalement, on ne le verra plus. C'est-à-dire qu'il a fait sa dernière... je sais plus quand déjà, il y a peut-être 15 jours, 3 semaines de ça. Il a fait comprendre qu'il prenait sa retraite, quoi.
Donc il a... Je sais pas d'ailleurs, il a peut-être même supprimé son compte à l'heure actuelle, son compte Twitch, j'ai pas vérifié. Mais il a supprimé son compte Twitter, il a supprimé son compte Discord, il a supprimé son serveur Discord d'ailleurs, carrément. Ouais, t'étais là. Mais non, non, moi j'ai pas, honnêtement, j'ai pas de nouvelles de Franck. Hein. Bon, je l'appréciais, mais bon. J'ai pas gardé contact, hein, je te le dis, cash. J'ai pas gardé contact avec Franck. Moi, je lui ai laissé la porte ouverte. S'il veut me contacter, il sait comment faire. Mais moi, je le dérange plus. Il veut prendre sa retraite, il veut qu'on lui fiche la paix. Il a tout arrêté du jour au lendemain. Voilà, bon. J'ai acté, comme on dit, j'ai acté. Mais je suis navré, Rika. Hein. Je suis pas dans la confidence. Oui, c'était expéditif. Ouais, c'était expéditif. Mais bon. Voilà. On a. Je te cache pas qu'on a été une sacrée brochette de surpris et de déçus. Il y a beaucoup de déceptions. Mais bon, voilà. Il a fait son choix et basta, quoi. Bon. Ce que je disais, c'est-à-dire qu'il faut désormais en garder les meilleurs souvenirs, quoi. Voilà, c'est une expérience vécue, même si ça finit de manière triste, quoi. Mais bon, peut-être. Je suis pas à sa place. Je vais pas répondre pour lui. Je sais pas. Humblement, je ne sais pas. Bon. C'est fini. Bon, voilà. Tant pis. Hein. Ah. Non. Oh là là. Comment je peux faire? Ou alors, bah vous savez quoi? Ah oui, c'est le feeling que tu as. Ouais. Oui, tu penses comme moi, SDR. Ouais, on partage le même avis. Je crois que je vais faire usage des mines de proximité. J'ai joué la provoque. Alors, faut que je trouve la touche pour pondre une mine, là. La déposer. Et j'ai plus qu'à espérer que je... Bam! Il rentre dedans, quoi. Oups, je suis là, coucou. Ou comme ça, peut-être. Avec plus de recul. Avec plus de recul, ça peut peut-être marcher. Attends, j'ai déjà pris la... Non, j'ai pas pris la valisette. Ça m'arrange. Attendez voir. Je vais prendre la valisette. Ouais. Je peux sauvegarder, là, quand même. Parce que, attends, là, il y a un gugus. Ah, je peux peut-être aller à fond. Attendez. Je peux peut-être aller à fond sur la droite. Le débusquer et hop, me planquer. Ah, ah, ah. Ah, ah, ah. Ah oui, il y en a plus que deux. Il y en a plus que deux et ils sont pas là où je suis. Je suis pas fâché, pas du tout. Mais c'était Brought de manier de quitter, c'est tout. C'était weird. Oui, c'était un peu abrupt. C'était peut-être un peu sec la manière de dire au revoir, ouais. Oui, expéditif, ouais, c'est le bon terme que t'employais. Dans son état d'esprit, Franck, il peut apparemment, je parle au conditionnel, apparemment avoir des agissements sur coup de tête, quoi. Pour pas dire coup de sang, voilà. C'est Franck, hein, voilà. Mais attends, voir. Il y a plusieurs portes. Ah non, celle-là aussi, elle est... Bah, y a pas une porte où y a pas de laser? Attendez. Si, là, y a un laser aussi. Je suis obligé de me faire laseriser. Mais c'est vicieux comme mécanique de jeu. Parce que le joueur qui a plus que quelques points de vie et qui est à mon endroit, là, il est mort, en fait. Sa partie est condamnée. C'est-à-dire qu'il peut pas franchir le laser sans crever. C'est chier. Excusez-moi du peu. Hop. D'où il sort celui-là? Il m'a grave surpris, je m'y attendais pas. Du coup, il reste plus qu'un ennemi.
Ah bah il est là. On va se le faire. Ouais, il est mort. Ouais. J'ai gagné. Ah, j'aimerais tellement avoir une combinaison spatiale neuve. Là, je suis à poil sans armure, ça aide pas. Ça aide pas. Je suis en train de repartir dans les limbes. Dans le côté labyrinthique où il y a rien d'intéressant. Merde, c'est pas par là. Attends, j'ai pas regardé la salle de réunion. Non, à part des sièges, voilà, il y a l'administrateur qui doit être là et tout le monde le regarde. Alors les gars, je vais vous briefer pour aujourd'hui. Pardon, j'ai loupé de vos messages. Plus de discrétion peut-être, si possible, se cacher dans le jeu, c'est pas évident. Oui, se cacher dans le jeu, c'est pas évident, oui. Oui, bah il faut être positionné à des bons endroits avec le bon angle de tir en fait pour débusquer l'ennemi. Moi aussi, je vois pour une nouvelle vie cette année. Oui, tu vas pour une nouvelle vie, ouais. Me reste à tout régler la paperasse de tes parents. Ouais. Ah, c'est pénible ça. C'est presque la double peine, j'ai envie de dire. Courage à toi, Erika. Là-dessus, malheureusement, je pourrais pas t'aider parce que, comme tu es sous administration québécoise, j'y connais rien. Ça aurait été administration en française, encore éventuellement, en réfléchissant un peu, j'aurais peut-être pu te donner des trucs et astuces. Mais la législation québécoise, je la connais pas. Ouais, bisous, petit cœur tout plein, comme te dit SDR. Ouais. Ouais. Ouais, dur, hein. C'est les étapes clés difficiles de la vie. Mais ça reste ce qui est terrible dans ton cas, c'est d'avoir perdu les deux à un intervalle de temps si proche. Je compatis, je comprends parfaitement que tu sois secoué. Ouais. Ouais. Moi, Dieu merci, j'ai encore la chance d'avoir ma maman. Mais dur, ouais, c'est la vie. Bon, je crois pas que je vais trouver un truc dans là où je me trouve. Il faudrait que je retrouve le chemin de l'ascenseur. Ah, c'est dommage ça. Il me restait pas une valisette à... Oui. Allez hop. Rien de perdu. Utilisation pertinente des ressources. Il y avait un truc bonus là-dedans, je crois. Oh, il y a des appareils derrière les vitres. Mais c'est n'importe nawak. Original. Pouk, munition. Je vais déménager, ça c'est sûr. C'est notre lot à tous. La seule justice sûre de cette planète. Oui, ça va te changer les idées d'avoir ton propre chez toi et de t'étacher des murs que t'as en souvenir avec tes parents en commun. Ouais. Ouais, ouais. Oui, psychologiquement, ça. Oui. Ça aide à tourner la page en fait. Enfin, si je peux m'exprimer ainsi. C'est un peu dur de. Dire ça par rapport à ses parents, mais ça complète le deuil, voilà ce que je dirais. Ça complète le deuil, le fait de déménager une fois que tu quittes le nid familial historique. Je fais nimp là, honnêtement, je trouve que je joue mal alors que j'ai plus d'ennemis. Concentration. Le sas de départ devait être là. J'ai fait le rouge. Ah oui, c'était une farce. Ah bah tiens, le bel ascenseur. Bon, j'ai pas trouvé de truc en plus. Ah ouais, il me dit que j'ai 0. Pourtant j'ai trouvé le corridor. Apparemment ça compte pas dans les stats. Le corridor qui fait le tour de la salle. Mais les passages secrets internes au niveau, j'ai que tchic. J'ai pas trouvé la carte, c'est con, j'aurais bien aimé trouver une combinaison. Neuvième sous-sol. Il y a 47 ennemis.
Enemy and my enemy. Alors, je déménageais pour aider maman, papa, je vivais pas loin de Montréal. Je suis dans un trou de merde, pas d'amis, la famille me parle pas, donc je suis seul là. Dur. Ouh. Ah, Erika. C'est tellement important que je vais même d'ailleurs passer, j'ai envie de dire solennellement, en gros plan de tronche. Mais alors, il faut que je te témoigne une chose. C'est où qu'on voit ma tronche? Pour te dire, donc j'ai perdu mon papa et j'étais son aidant. C'est-à-dire qu'il a eu une longue maladie et Quick, deux petites ailes dans le dos. La phase avant de Quick, évidemment, j'étais à ses côtés dans ses derniers jours. Et j'étais entouré en France, je sais pas si chez toi il y a ça, tu peux avoir une aide de l'État et de... T'as des professionnels de santé qui viennent au domicile de la personne en fin de vie. Et ce qu'on appelle une assistance à domicile, médicale assistée à domicile. Ah bah comme toi, oui voilà, tu me confirmes, ok. Mais... Il y a un des aides-soignants qui se prénommait Alexandre. Si au hasard de la vie de l'internet il me revoit, bonjour Alexandre, respect. Merci pour le précieux conseil qu'il m'a donné. Je vais te le donner ce conseil. Pour gérer le choc émotionnel. Parce que cet aide-soignant-là, il a fait des études en psychologie. Et franchement, ce qu'il m'a dit, c'est pas con du tout. C'est valable pour tout le monde. Vous perdez un être cher. Pas forcément un parent d'ailleurs, hein, ça peut être un conjoint. C'est terrible. Ce qu'il faut faire pour pas décrocher et tomber dans la dépression et la déprime et mal tourner, il faut jouer ce jeu-là qui est vraiment hyper important. Sur un papier, un fichier informatique, ce que tu veux, tu notes quelque part tout ce qui tient à cœur des projets de vie. C'est ce qui fait avancer les projets dans la vie. Mais ça peut être les gros comme les petits. Les gros, je veux passer 15 jours à Montréal. Je parle pour moi en tant que Français. Tu peux dire, je veux passer 3 semaines à Singapour, je veux faire tel voyage. Tu te le notes, gros projet de vie. Des projets moyens aussi, moyennement accessibles, en disant, oh, je passerai bien un week-end au département à côté, me faire un petit relais dans les Vosges, machin. Rick Fonfon. Bonjour Rick Fonfon, bienvenue. Meilleurs vœux pour cette nouvelle année. Pardon, j'étais en train de faire la conversation à Erika. Tu te notes, voilà. Et les petits projets aussi, tu te les notes. Demain, j'aimerais bien manger de la poule au pot. J'aimerais bien me faire des sardines à l'huile. J'aimerais bien aller au cinéma voir le dernier film de Tarantino. Je dis n'importe quoi. Mais tu te le notes. Et moi, ça m'a aidé dans les mois qui ont suivi le décès de mon papa. Ça m'a permis de me motiver en disant, parce que je finissais par faire face à un mur. Mon papa est mort, toute l'équipe autour est partie aussi. Donc du coup, je me suis retrouvé dans ma maison familiale. L'angoisse, je faisais face à un mur. Il n'y avait plus personne chez moi. Donc dur. Et d'ailleurs, c'est pour ça que je suis arrivé sur Twitch. Ça, c'était un de mes rêves de me lancer dans cette aventure-là. D'ailleurs, je vous remercie à toutes et tous d'être là. Vous voyez, vous me comblez un vide. Vous le savez maintenant, je vous le mets dans le secret. Vous me comblez un vide d'absence. Et ça me permet justement d'occuper mon temps libre. Donc voilà, Erika. N'hésite pas à noter, je veux faire ça, je veux faire ça, je veux faire ça. Et puis t'essaies de t'y tenir. Quand tu sais que t'as un coup de mou, que t'es dans le creux de la vague, tu dis, allez, je vais faire ça. Et ça te donne du peps dans la vie, ça te permet d'avancer. Voilà, je tenais absolument à te le dire, c'est super important. Et à qui de droit, à ceux qui malheureusement ont perdu un proche. Voilà, j'arrête mon baratin, tombe dans le jeu. Tac, 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 tac. Pouk. Non, c'est pas ça, fallait que je change de plan. Il fallait pas que je me mette ma propre tronche en gros plan. Voilà, on y arrive. On y arrive, on y retourne. Clac, 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 look. Non, je veux pas quitter le. Je veux pas quitter le jeu, moi, et oh, je veux continuer à jouer. Je faisais quoi dans le jeu? Je sais déjà plus. Ah oui, j'étais là. Pardon. Alors, bonjour et bienvenue, Drick Fonfon. Bonjour, comme tu dis, elle est extra ton icône toi aussi. C'est bien. Voilà, bienvenue, bienvenue. Oui, je veux bien, mais j'ai le pied pété, donc moi, regarder Twitch comme toi. Oui, en attendant que ta santé s'améliore. Oui, c'est vrai que t'as aussi le malus de la santé, ma pauvre. Ah ouais, allez, courage à toi, Erika. Ouais, oh, une émoticône exprès bien éclairée, tout. Bonne année 2022, la classe, Drick Fonfon. Waouh. Voilà, voilà.
Oui, donc meilleurs vœux hein, aussi, Drick Fonfon, pardon, je sais plus. Je dis toujours santé, le plus important, voilà. Prospérité et bonheur pour la nouvelle année, pour chacun. Allez, je continue à voyager dans le niveau. Je continue. Non, j'ai fait une connerie. C'est un nouveau. Merde, je suis mort. Je croyais que j'étais dans le précédent que j'avais purgé. Non, non, c'est un nouveau niveau là. Faut que j'arrête de me lancer dans le vide et de me faire zigouiller à vue. Je reviens au jeu. Attendez. Ah, bah, m'a rechargé là. Non, bah c'est Retrieve Mission maintenant. Forcément, puisque je suis mort bêtement. Alors, il y avait quoi? Il y avait 47 ennemis, je crois, dans le niveau là. Il disait quoi le compteur? Oui, il y a 47 ennemis. Voodoo Dew. Pop. Oui, c'est bien. Je peux jouer la provoque. Et un de moins. Je vais partir explorer des planètes et faire un somme. Merci pour le direct et bonne continuation, bon dimanche. Merci à toi aussi, Chris. Bah, je vais pas arrêter. Je vais pas tarder à arrêter, moi. Dans 3 quarts d'heure, je pense. Dans 3 quarts d'heure, 1 heure, je vais arrêter. Et si tu diffuses à ce moment-là, je te regarderai et puis je t'hébergerai sur mon canal. Et moi, je reprendrai vers 16h, 16h30. Voilà. Je vais me réserver un peu de temps début d'après-midi. Et puis je pense que je jouerai jusqu'en soirée aujourd'hui, à vrai dire. Ouais. À la prochaine, bonne journée. Alors, ça se pousse ça comme un mur? Non, c'est pas un mur qui se pousse. Alors, on va avancer prudemment. Prudemment, le couteau entre les dents. Ah oui, c'était sûr que c'était une alerte intrusion. Mauvaise blague. Bouh. Bouh, 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 bouh. Hmm. Mais je remarque que... Ah, attendez voir. Le plan là, le plan B. J'ai peut-être oublié de rajouter l'alerte... l'alerte Streamlabs avec le gros cœur au milieu. C'est pour ça que ça s'est pas déclenché de Tyler. J'ai peut-être oublié de remonter cette fonctionnalité dans le plan là. Ça expliquerait pourquoi on n'a pas vu le gros cœur depuis un petit bout de temps là. Hop, 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 hop. J'ai quelqu'un dans mon dos, je me suis fait avoir comme un bleu. C'était un polymorphe, il a failli m'avoir dans le dos. Assassin. Ah! Non! Non, il m'a eu, il m'a eu. Il m'a eu. Oh là là, il m'a pas loupé. On recommence. Oh, j'ai complètement niqué et explosé, pardon, mon tableau des scores. Ça a plus rien à voir avec ce qu'il y avait dedans dans l'heure précédente. Oh mon dieu! Oui, je me permets d'indiquer hein, au nouveau à Drick Fanfan un des points forts de ma chaîne dans le chat si ça intéresse de jouer. La pêche, point d'exclamation fiche ou pêche, j'ai francisé la commande, les deux sont valables. Et vous avez une centaine de poissons à pêcher, si cela peut vous amuser. Ouh, je la sens pas là, c'est un carrefour, je la sens pas du tout. Et apparemment, il n'y a rien finalement. Ah, accès bleu, faut que je sauvegarde. Accès bleu. Accès Michou. Je suis pas convaincu de ouais. Je suis pas convaincu de grand chose là dans ma situation. Ah non, il y avait des lasers. Non, ils m'ont mis des lasers. Ça fait bobo. Non, sérieux? C'est pas des extraterrestres? Ah non. Ils ont pas pris la forme d'un objet. Mmh. Je le savais! Il devait en avoir un. Putain, il reste 45 ennemis. Oh.
Hop, hop, hop. Il avait pris la forme d'une chaise, lui. Non! Non, il y en avait un autre derrière moi en peau. Il a attendu que j'ai le dos tourné pour m'attaquer. Oh, vous avez vu comment ils sont très très félons? Bon, ça c'est un œil à flingue, ça va. Ah, les chocottes. Hop! Pocketer la poteur. Et puis là, pareil, dans les tonneaux, il peut y avoir un polymorphe. Je vais le toucher, il va pas être devant moi et il pourrait me trucider. J'ai envie de dire, c'est plutôt le genre de salle qui peut se prêter au jeu du passage secret. Potentiellement, mais apparemment c'est pas le cas. Bon, une fois de plus, une déception. Déception. Je n'ai pas la carte d'accès rouge. Y a intérêt à ce que je me bouge. Grande salle égale danger. J'ai peur de me faire trahir. Oh oui! J'ai déverrouillé l'accès rouge. On sauvegarde. J'ai l'accès rouge, on va retourner là où j'étais. Accès rouge, rouge, rouge. Accès, gagadia, accès, accès de mort, accès, je vais crever, et accès qu'il y a tout le monde est là. Oh là là. Oui. Ah. Démangeaison à la cuisse. Ah ouais, non mais j'ai réveillé toute la cavalcade en fait. Il y a toute la cavalerie là. Pomp. Du coup, je suis dans une situation vache. Là, je l'ai bien géré. Il en reste 34 à dégommer. Ah, accès rouge. Hop, 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 hop. Nope, y a rien. Il faut vraiment que j'ai le réflexe de. Hop. Que j'ai le réflexe de. Je ne sais plus, voilà. Elle est bien la musique de manège. Pour annoncer un nouvel arrivant. Enfin, un nouvel arrivant. Un nouveau fidèle. Qui acte le follow. Alors. Voilà. Quand le rythme est bon. Hein, enfin, quand tu connais la position des ennemis, ça aide. Forcément. Bag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 
Je vais sauvegarder, je vais progresser, on va avancer. Allez, go. Oh, oh, oh. La disposition de la carte suggère qu'il y a une pièce planquée, là. Je sais pas par ici que ça s'ouvre. J'ai fait ici? Non, je crois pas. Il y a du peuple. Ah, c'est people. Faut vraiment ne pas hésiter à tirer sur les objets quand vous avez une suspicion de polymorphisme de la part des ennemis. Ah! Bonjour la compagnie. Non, y'a rien. Mince! Oh! Je voulais classe sortir par la porte et je me pète le mur, moi. Mais c'est bizarre, doit y avoir un truc au milieu, c'est pas possible. Oui, non, c'est pas possible. Il va falloir que je fasse bien les salles là aussi si je les ai pas déjà faites. Attends, je suis dans le doute, mais. Non, je les ai pas faites. Je pense qu'il y a un passage secret. C'est pas possible. Doit y avoir un des trucs qui doit coulisser là. C'est trop gros. La forme des lieux, des pièces, là, il y a un truc. Il y a un truc, c'est Majax. Ouh, ça sent la récompense. J'espère que le jeu va pas me guaquer. Il a pas le droit de me faire ça, c'est pas beau. Il a pas le droit de me guaquer. Je réfléchis. Est-ce que j'ai appuyé sur les bons murs, moi? Ah, ça peut être là aussi. Non. C'est pas là. Attendez. Je flaire le passage secret. Non, il n'y a pas de... Non. Je sais que ma persévérance va payer. Merde. Attends, si c'est pas là... Ah, c'est peut-être là aussi. Là, il n'y a rien qui coulisse. Pas possible. Non, ils sont pas mis là quand même. C'est quoi ce streamer qui n'a pas la solution sur son deuxième écran? Quel manque de professionnalisme. Non, j'essaie pas de trichoter avec des aides. Mais techniquement, oui, ça pourrait se faire. Mais c'est bizarre, on le voit au dessin de la carte qu'il pourrait y avoir une pièce. Mais finalement, apparemment, il n'y en a pas, je comprends pas. Je comprends pas. Pour moi, il devrait y avoir une pièce secrète, mais non. Là, je suis une nouvelle fois déception. Je suis désolé. Il y en a plein des murs qui coulissent. C'est la logique à la Wolfenstein 3D. C'est le moteur de base du jeu. Merdum crotum. Bon, il me reste 24 ennemis à défourailler. Où sont-ils? Ils sont peut-être par là. Oui, non. Ah non, j'ai déjà fait le ménage ici. C'est bizarre, j'ai... Merdum. Je viens de me coltiner encore un laser. Là, j'y suis allé. Attends. Ah, si seulement j'avais la carte dévoilée. Ah, par là-bas, je suis pas allé, apparemment. Attendez, on sauvegarde. Les soins. Ah! Je l'ai fait tous sauf le bon. Mmh.
Impressionne. Ah! Oh, rage au désespoir. Non, non, sans déconner, le niveau de difficulté va grave augmenter en plus quand j'arriverai au 10e ou 11e sous-sol de mémoire. Quand j'avais fait la version disquette quand j'étais ado. Non, non, là, franchement, la version CD va me donner en plus un fil à retordre bonus, quelque chose de méchant. Alors, attendez. Il était où, le loustic? Parce que du coup, évidemment, je sais plus. Ah, là. Donc, lui, je l'ai eu. Mais il doit y en avoir d'autres. Non, c'est pas un polymorphe. Ce qui veut dire qu'il y a du truc là-bas, non? Ah non. Il n'y a rien qui se pousse en cadeau? Non, il n'y a rien. Ça me laisse... Ah, c'est à quoi t'es la pote? Ça me laisse dubitatif. Ah, j'ai sursaut de fousse comme si je faisais un jeu d'horreur, vous voyez? Ouais, je vais essayer de finir le niveau là et puis après je vous laisserai parce que je commence à avoir faim en plus. Il va falloir que j'aille au fourneau. Merdome. Alors la question est d'où il est sorti. D'où il est sorti parce que je suis perdu. Je suis perdu. Je suis perdu. Peut-être même foutu. Non, mais il n'y a pas plus. Ou alors il y a une salle. Un poil nerveux. Putain, ça peut être un siège aussi. Ah. J'adorerais qu'un des murs coulisse. Allez, coulisse le mur, coulisse. Non. J'aurais tellement aimé avoir une salle bonus. Non, il est là. Ils sont là. Oh. Merdoum. Embuscade. C'est un peu cucu la praline dans le menu, le fait qu'ils aient pas proposé lors d'une mort. Voulez-vous revenir dans le menu ou charger la partie précédente? C'est un truc tout con à programmer et je comprends pas qu'ils y aient pas pensé les concepteurs. T'es obligé de te recoltiner à chaque fois le générique début là et puis le... Bizarre. Merde, j'ai tiré croyant qu'il serait là, mais non. Oh non! Oh, nul le mec! Je suis censé incarner un soldat d'élite là, d'assaut. Je me suis fait cueillir comme une fleur. Non! Il ne s'est jamais passé cela. Voilà ce qui s'est réellement passé. On va rétablir la vérité, comme on dit.
Oh Merdoum. Ah là 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 là, dur. Et c'est reparti, mon kiki, on se retape les menus. Car ça a été programmé avec le U. Non, pas tant que ça. Non, non, franchement, c'est un bon jeu. C'est un bon jeu, sinon je ne vous le proposerai pas. Ah merde, il y en a deux en plus. Oh là là. Non. Je sais qu'il me reste peu de points de vie, mais Crotum, j'allais gagner. J'allais gagner. Ouais, Kappa, oui. On n'a rien vu, c'est ça. Ah, oh, je vais finir par nettoyer ce niveau, oui, ou Crotte. Aïe, 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 aïe. J'ai ma voisine qui est en train de faire sa descente dans son garage. Et discrète comme elle est, je suis en train d'entendre tout ce qu'elle percute au niveau de ses parois. Comme j'ai un mur mitoyen là. C'est dur. Enfin c'est dur. C'est chiant. Sauvegarde là, au moins j'aurai ça à parfaire. Allez, bam, 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 bam. Je me recule parce que l'autre arrive. Voilà, je sauvegarde, on progresse. Et le dernier, il est là. Merde, je l'avais là. Voilà. Youpi, munitions. Bah, c'est bien, je suis au taquet. Très bonne nouvelle. Il reste 13 ennemis. Putain, la vache. Ça en fait une tripotée encore. Ah! Il y avait un polymorphe qui m'a eu. Il était en peu de fleurs. On progresse, on progresse, on progresse. Non, je suis bête, il faut que j'aille par là. Faut que j'aille par là. Et là, j'ai pas un truc. J'ai pas un mur qui coulisse, merdoum. Putain, j'aurais adoré. You. Hop 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 hop. Il a failli m'avoir. Il a failli m'avoir. Petite valisette de premier secours. Ça se refuse pas. Surtout dans mon cas. Je vais devenir complètement gaga. Oula, faut que je me recule. Non, même pas. Il m'a eu en diagonale. Qui sont fourbes. Premier secours, clac. Donc, je les avais provoqués ici. Hop là. Allez, venez. Oui, s'ils acceptent de venir. Ouais. Ah, ils sont un peu pâteaux. On a vu, ils ont un déplacement lent. Non, ils sont pas lents. Ils ont bluffé, les salauds. Il en reste 7. Il en reste 7.
Il me reste 10 points de vie. Sauvegardons. Je doute qu'il y ait une paroi qui coulisse vu là où on se trouve sur la carte. Il n'y a rien d'intéressant. Là, éventuellement, ça peut bouger, mais ça ne bougera pas. C'est un échec. It's a fail. Oui, non, c'était là où il y avait la réserve d'objet. Merde, ils sont 5. Les 5 petits derniers. Avant de vous quitter. Oh là là. C'était Monsieur Pot de Fleurs. Ah là là, ça, alors ça, ils vont me le faire, mais alors 1000 fois hein, avant d'arriver à la fin du jeu. Enfin, non, 1000 fois, j'exagère, mais encore plusieurs centaines de fois sans déconner. Le polymorphisme, franchement, c'est du génie dans le jeu. Merde. C'était lequel? Ça y est, je vais tirer sur tous les pots de fleurs. Je sais plus. C'était lui? Non. C'était qui? C'est lui. Voilà. Bouh. Merde, j'ai désactivé la musique. C'est pas ça que je voulais faire. Je voulais sauvegarder alors que l'autre vient d'arriver. Oh, 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 oh. Oh. Deux. Il n'y a plus que deux ennemis. Non, mais j'ai déjà fait ce secteur. Faut que j'aille par là-bas. Ah oui. Ah oui, oui, oui. La sacro-sainte trousse de vie. Merde. Où sont les deux derniers? Hop, 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 oh, je suis en bon chemin. Pour ce qui est du reste, ça craint du boudin. Brum, 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 brum. Valigette, valigette. Ah, il est là sur le radar, il est à côté, il est à côté, il est à côté. Il est là, il est là, il est là, le sagouin. Il va mourir. Oh. Oui, il est mort. On a gagné. Oui. Oui. On a tellement bien gagné que j'ai fait crasher le jeu. Attendez que je le relance. Ah merde, il me faut la... Il me faut la... L'interface. Minute papillon, ça va revenir. Le temps de relancer le Schmilblick. Alors, il me le met en plein écran, sauf que moi je veux pas. Je lui demande de revenir en... Voilà. Pardon pour le petit bug. Le petit bug, bug big. On y retourne. Ouais, les deux. J'ai sauvegardé avant ou après du coup? Non, après, oui, non, ça va. Il a crashé à la sortie de la sauvegarde. Heureusement qu'il m'a pas conclu la sauvegarde. Au pire, j'aurais pu demander le... Parce qu'il mémorise le... Dès qu'on rentre dans un nouveau niveau, il enregistre où on en est. Et il y a une sauvegarde spéciale de secours. Qui nous a déjà sauvés hier. Mais alors, merde, faut que j'en mette ma carte, moi. Mais oui, mais oui, mais il pourrait y avoir des... Il est midi heure française. Bon appétit si vous passez à table. Moi, à mon avis, dans une heure, ce sera largement le cas. Je serai en train de m'empiffrer de je sais pas quoi. J'ai pas choisi mon plan encore. Allez, coulissez. Oui, 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 oui. Mur qui coulisse égale bonus. Mur qui coulisse. Je veux. Je deviens fou, pardon. Oui, ah bah tiens, la carte du niveau. Allez, hop. Ah, j'aimerais tellement trouver une...
une combinaison spatiale neuve. Là, j'ai plus d'armure. Ça, c'est tellement sécurisant l'armure. Je suis en train de regarder la carte entière maintenant. Et je me pose la question, où est-ce que j'ai pas tenté ma chance à faire coulisser un mur extérieur là? Fâche. Là, vous voyez le dessin complet de la carte. Et c'est pas piqué des hannetons. Je sais pas si j'ai intérêt à faire le corridor extérieur. Alors, je vais essayer de vérifier une théorie rapide, mais je dis bien rapidement. Histoire de pas trop gamberger dans ce niveau. Mais je flaire le potentiel passage secret déjà à partir de ce mur. Vous voyez qui est énorme en plus. Je sais plus si je l'avais fait. Je crois pas. Je m'en souviens plus. Ouais, non, apparemment c'est pas le cas. Dommage. Dommage. La partie là aussi est viable à coulisser, mais c'est pas le cas non plus. Donc attendez, il faut que j'aille là. Et cette salle là pourrait avoir des murs coulissants. Mais apparemment, c'est pas du tout le cas. Bizarre. Oh la vache. Comme c'est la pièce à l'angle du niveau, je suis susceptible d'avoir un truc qui coulisse facilement, quoi. Et il n'y a rien. Déconnez pas. Il n'y a rien qui bouge. Oh là là, cette escroquerie. Là, je sais plus, j'avais trouvé un truc. Non, il n'y avait rien. Il n'y avait rien. Ouais, bon, bah, je vais pas traîner. On va passer au niveau suivant. Enfin, on va passer au niveau suivant. Je vais me mettre dans l'ascenseur. Et puis, je vais sauvegarder à mon arrivée du nouveau sous-sol. Mais on se quittera sur ça. Je continuerai peut-être une fois ou deux le jeu dans le courant de la... J'avais fait les couloirs, là. Dans le courant de la semaine à venir. Mais on va varier les goûts et plaisirs, je ferai différents jeux. Que chic. Que quick. Oui, non, bah non, ça peut pas être un mur. Ah bah mince alors. Ouais, j'ai trouvé qu'un tiers des secrets. Balèze. Franchement, balèze. On arrive au sous-sol 10. Qui dit sous-sol 10? Tous les 5 sous-sols. Il y a un ascenseur bonus qui est planqué. Il y aura 50 ennemis à débusquer. Oh la vache. Mais ça, pardon, ce sera la prochaine fois. Voilà, j'ai sauvegardé. Oh, out of memory. Waouh, c'est la première fois que j'ai un crash de mémoire allouée pour un jeu d'os pas suffisant. Waouh, on termine sur un beau crash du jeu. C'est stylé. C'est glitché. Ah. Oh mon dieu. Tableau mystère. Rapidement. Je sais pas si ça vous inspire. Pour ceux qui veulent retenter leur chance. Alors, je sais pas si Drick Fonfon est encore là. Le principe du tableau mystère, c'est de trouver en fait dans le montage photo, le montage graphique, les titres des œuvres. Là, c'est le tableau numéro 51. Il y a 6 œuvres à trouver. En haut à gauche, le Rayman M a été trouvé hier. À ma grande surprise, personne n'a encore trouvé l'opus de Sonic en haut. C'est bien Sonic, le hérisson bleu, mais personne m'a donné le titre de l'œuvre. Et les 4 autres jeux, là, au centre de l'image et en bas, il n'y a pas eu de proposition pertinente jusqu'alors.
Mais c'est pas grave, je vous proposerai rapidement le tableau mystère cet après-midi. Ah, merci de m'héberger, mais je vais rendre l'antenne. Pardon, Dric Fanfon. Merci tout plein, mais je vais rendre l'antenne. Par contre, je reviens cet après-midi. Je reviendrai à partir aux environs de 16h. C'est où qu'on voit ma tronche en gros plan? C'est là. Voili, voilou. D'ailleurs, faut que je regarde qui, à mon tour, moi, je peux héberger. Enfin, je vais vous faire un raid, un relais de chaîne. Attendez, je vais regarder. Donc, je crois que Chris a pris son antenne, c'est ça? Si Chris est encore à l'antenne, je vous l'envoie chez lui. Parce que son truc est féerie, en fait. C'est magnifique, son truc. Ah merde, apparemment, il est pas en direct. je peux vous envoyer chez l'ami franco-américain Franglish qui fait du sable. Ça fait longtemps que je l'ai pas vu, donc pour lui dire bonjour. Franglish, attendez voir. Tac. Ouais, c'est facile. Ouais, l'interface automatisée de Twitch, elle est bien là-dessus, à ce niveau-là, le coup de faire les raids. Écoutez, on va aller chez l'ami Franglish. D'ailleurs, j'anticipe, je vais ouvrir sa chaîne sur un onglet que je puisse lui dire bonjour. Moi, je vous dis bon appétit, bonne pause déjeuner. À tout à l'heure, aux environs de 16h, je reprendrai l'antenne. Voilà. Prenez soin de vous, gros bisous, merci d'avoir été là, merci pour tout, hein, les hébergements, les ceux qui ont fait fidélité, follow, merci tout plein, à tout à l'heure, prenez soin de vous, bisous bisous. Hop, lancez le raid. Franglish, l'ami franco-américain. Je suis trop content. Et du coup, Emid, tu demandais pourquoi j'avais lancé un live à 7h. Est-ce que le raid s'est fait? Demandais certainement pourquoi maintenant, j'avais go. Lancé un live à 7h parce que justement, à partir de la rentrée, là, je vais faire des lives de matinale. Et le sage de Nancy! Et c'est la fête du et raid! Et coucou, je merci savais pas que tu streamais! C'est trop bien les raids! Ouais, ouais, merci pour ton raid! Comment vas-tu? T'inquiète, c'est le bordel chez moi aussi, j'ai un petit appartement et j'y bosse. Ouais, bah ça c'est sûr que... Bonjour, tous mes vœux, mes meilleurs vœux à toi aussi, sage de Nancy. Est-ce que Machiavel, on peut avoir un petit SO pour le sage de Nancy? Qu'est-ce que vous étiez en train de faire de beau? C'est officiel depuis hier, le 1er janvier, mais incroyable! Qu'est-ce que tu faisais de beau, du coup? Bienvenue, bienvenue. Nous, on est sur Sable, un petit jeu indé, fait par une toute petite équipe de deux personnes. Corridor 7 Alien Invasion FPS rétro qui trop bien. D'accord, c'est un FPS style rétro en mode indie ou c'est un vrai FPS rétro? Basé sur... J'adore les FPS rétro moi. C'est aussi mon objectif de déménager, mais alors c'est compliqué stop en ce moment. Stop en ce moment. Parce que je suis en train de répondre. Bah, c'est vrai que bah, on en avait un petit peu parlé la dernière fois. Il faut que je coupe. Basé sur Wolf 3D. Ok. Ok, ok, ok. Voilà. Ciao, bisous. Merci. Du coup, bienvenue. Enfin, du coup, j'étais en train d'expliquer que à partir de la rentrée.